Il y aura un tatouage de faire les réalités pour les appuis. Il y aura un tatouage pour notre terre. Te hamata nei tatu i ta tatou rurura e te anine ia i tō tatou papai praurhei. Ia tei o mai te ia nei rata titaura i a tatou. E te pretetini, nā te rata no te ho e no Whepuare, te titaurahia i te maumero no te aporarei o te whenua Māori. Tā au iei tei o nei. Te mautia maitihia i te aporarei, te wahine te tāne. E manono ratumu nāu i te whaara rātu i a oe, e tupu te ruru a Matāmua a te aporarei no tāna tau ruru. Tā e i te mahanamaha hitu no Whepuare, piti tautini huruma toru, i te horaiwa, i te poipoi. A whāri mei te mau ki a maitihia i te aporarei, te wahine te tāne, i te tāpoa no tōu whātura ia o tōu. Tāre mahia, nā te pretetini Shaki Drole. Maruru mai te ai, te anine ai tō tātou papai praurhei. Iap, i mei te o atu mauti ai tamai. Algo ema watame. Alfa Te Ari watame. Big Sabrina watame. Bob Dupont-Tamara watame. Bissou Jean-Christophe watame. Brodien Rosine watame. Chavé Daphné watame. Cross Valentina watame. Jacques Drolet watame. Flos Gaston watame. Fribourg Joël wamairi. Edouard Watame, Galno Minari Watame, Anderson George Watame, Irshon Onotea Watame, Irititeura Watame, Izal Heifara Watame, Jennings Etone Patricia Watame, Kaute Benoit Wamaeri, Kohomoitini René Watame, Lison Marcelin Watame, Mamate Utapo Victor Watame, Manute Levia Gami Sandra Watame, Maria Emma Watame, Marae ura teina, ua maeri. Maritiragi mai roto Lilian, ua teame. Matawa Leoni, ua teame. Matawa Mairon, ua teame. Mati Juliana, ua teame. Merceron Armel, ua teame. Olivier Maris, ua teame. Opa Afuanik, ua teame. Parker Eleanor, ua teame. Porliete Ikinui, ua teame. Rapoto Jean-Marius, ua teame. Riston Monique, ua teame. Rivetta Frederic, ua teame. Romataro Aferno, ua teame. Sage Maina Watame, Chil Philippe Watame, Tama Françoise Watame, Tani Thérèse Watame, Tonso Robert Watame, Chunturoro Watame, Tefare de Hiroiti Watame, Temeharo René Watame, Teremate Ruben Watame, Teripayamita Watame, Teruatia Sylviane Watame, Tetonulana Watame, Teura Justine Watame, Tonson Gaston Watame, Dwaho Ismaël Watame, Tushobia Catherine Watame, Utia Damas Watame, Venodon Beatrice Watame, et Venu don Clarence Watame. Maruru mai te, ora hi a te awharhei o te maumero nen hei a tatu e hamata. Te anine ia i tō tatu pape praurhei, ia tei o mai te mo mai ki rā tātia. E, pretetini te, ia te mo prou tātia te hamana hia. Na venu don Beatrice ia Poliete e Kinui, e na Fribo Joel ia Mairutu Maritirangi Liliana. Maruru mai te, Te anine ia i tō tātou papai praurhei, ia tei o mai i tā tātou opuar a tāpura ohipa no te ia nei mana. E, pretetini, te ia te opuar a tāpura ohipa whanauhia na te mau peretetini pupu i te monire mairi anei. Ho e, hamana rai te tāpura ohipa. Numara piti, he opuar ai te mau parau tua tapapa, te mau opuar a whaotira mana na te hau whenua e na te aporarhei. Te mau opuar a ture whenua na te hau whenua, e te hoe o puara whauwhaura e hi o mai te tapura tapiria. Numara tōru, o panirai te rurura. Aruru mai te, hou tatou e maiti ia e te genei o puara a tapura ohipa. Wa tapiria tō hia te teiparau tapiri no te rahira o tumou tapura ohipa e te anine iau, ina rone iau e anito tatou pretiteni. Nenhe ane o ia e whahoi i te numara ahuru e mapai, te numara ahuru e maono, no te mea aitia te ienei mō opuar ature whenua i whaatahi atura rute i tumo tomite roto. Te aur aia i te mea ture whenua, e ti aia i a tātouho e ahuru e mapiti mhana no te tuata papara, i oti te ruru a te tomite roto. Horea te anira woi tō tātou pretiteni, e ti ane i ana, i te rave i nā tumuprau e piti, e whahoi rute i tōna rima, ananhei e aur aprau, whahau mei e rutu i tatu.
E wei te tātou e tēnei tātou I te whaitoho e ahuru e māmaha tumuprau o te toe mai. Te anine eo I a tātou, I a whaari I tātou I te apapara o te mō tumuprau. Te tātou ara au whaari. Whaari te tātou ara maruru mai te. Tēnei eo I a tātou I te tumuprau matamua. Pekite. Ah, I te mea te here roi a oto, te hororo e broro rai a oe breti tēnei tongso. Maruru mai te briktini. Tātou briktini whatrei tuenua, mō whatrei hau. Monsieur le Président, c'est un rappel au règlement intérieur de notre Assemblée. Je vous ai transmis un courrier vous informant de la constitution du groupe Atea Polynetia au sein de notre hémicycle, composé de 12 membres à part entière. Et je vois que les dispositions, les emplacements des élus ne répondent pas malheureusement à cette requête que vous avez faite ce matin. Donc, je vous demande ce qui est possible de suspendre momentanément la séance pour que les élus au Polynetia puissent effectivement être regroupés ensemble dans l'hémicycle. Merci. Watamai te pepe I tāu e rata, ratu I tō rima. Te parau hapapura e wa hare o tō I mua I te DRCL no te whaatear ai ai whaatiti ai wharora e te tauira I te o te iepupu. Papu mai te. Wa whaatea me o e I te teiani rā, ratu I tō rima. Wa pahonoa tō I au I te pepe. Ere? Whaatea hea tō ratu I tō rima. Te e tāu pahonoa ratu I au e marmarma mai te I tatu. Monsieur le Président, j'accuse bonne réception de votre lettre citée en référence par laquelle vous m'informez de la modification du nom du groupe Totato Aïa à l'Assemblée de la Polynésie française et sollicitez sa prise en compte pour la séance de ce jour. Je porte à votre connaissance que le changement de dénomination de votre groupe politique sera effectif lorsque la déclaration sera rendue publique par une insertion au journal officiel de la Polynésie française. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les nouveaux adhérents n'indiquent pas la date à laquelle ils comptent intégrer la nouvelle formation. J'ai reçu du courrier manifestement préparé à l'avance, mais sans date. Par exemple, je vous lis le courrier de Mme Béatrice Vernaudon. En application de l'article 72, ainsi de suite, j'ai l'honneur de vous faire part de mon adhésion avec l'accord de son président au groupe politique Atea Polynetia à l'Assemblée de la Polynésie française, et ce, virgule, depuis le et un blanc. Il n'y a pas de date. Donc, je suis un peu gêné pour savoir à quel moment je vais accepter l'adhésion de ces nouveaux membres. Quand ces nouveaux membres me préciseront leur date d'adhésion et que j'aurai reçu la photocopie ou le journal officiel avec votre changement de nom, à ce moment-là, je considérerai votre groupe. Sur ce point, la discussion est close. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Yarana Britini, Britini Utrufinua, Timon Vatrihau, Tatu Porui, Amuimaitin, Hana Yorana, Fari Metitap Onutierfa. Alors, par lettre numéro 558 PR du 24 janvier 2013, le président de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999. Portant création de la Société de financement du développement de la Polynésie française. Alors, pour rappel, la SOFIDEP est une SEM créée par la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 de l'Assemblée de la Polynésie française. Dans le domaine d'intervention tel qu'il est défini par son objet, est limité aux petites et moyennes entreprises. Article 2, la société a pour objet de faciliter par tout moyen
financier, la création, la transmission et le développement des petites et moyennes entreprises dans le siège social et en Polynésie française. Alors, elle peut notamment prendre des participations au capital des entreprises concernées par souscription ou achat d'actions ou de titres de toute nature. Accorder des prix assimilables à des fonds propres, renforçant la surface de l'entreprise vis-à-vis des autres créanciers. Gérer le portefeuille de valeurs mobilières résultant de ces prises de participation et réaliser toute opération d'achat, de vente, d'échange, de souscription de valeurs mobilières. Financer l'étude de projet. Plus généralement, elle est habilitée à réaliser toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Il est envisagé que la SOFIDEP prenne une participation de 2% dans le capital social de la SAS Aquacol Tahiti Nui Jinmin Ocean Farm, dont le capital social devrait être porté in fine à hauteur de 2 milliards. Compte tenu de son statut juridique de SEM, il est nécessaire que notre Assemblée, qui l'a créée, se prononce préalablement par délibération sur l'extension de son objet social et sur la prise de participation envisagée. Pour ce faire, il est proposé que l'alinéa 1er de l'article 2 de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 portant création de la SOFIDEP soit modifié et rédigé comme suit. Article 2, la société a pour objet de faciliter par tout moyen financier la création, la transmission et le développement des entreprises dont le siège social est en Polynésie française. Il reviendra ensuite à l'Assemblée générale extraordinaire de la SOFIDEP de mettre ses statuts en conformité avec cette extension de son objet social. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Poe ohru miniti nan yoi pupu nut fahiti mai tō na mana o, e tēro atu i te mauti ai te tarato e pupu. Yani nei ai te tia o te pupu tō tato ai a, fahiti mai tō nei o, e tei o mai tō na mana o. Gaston Thompson. Maruru Pirikitini. Aia no tu i te mau hupai te pūhio nei. Ai te mana o e nā rea tātou i tātou hupa no te mea o tuhu ia tēni ai te pūpēr, te o mhana no te o mhana. Ta i e mana o rae, te rea tātou i hapa o mai. A te anō tu. Hare tātou i ni tātou tūmparau. Tēnā o nei mātou e hapa i te hupai ruhi a nei. Ea te iau pai ruhi anei, no te mea aikia tara prau aur ai te amei tureti tō tātouri mong te apora arhei. E me e te prau prau hia e moi ni bongpap e wea, te aura e moi te aro te nun ata atoa, e me e te pai tupu nei tui tātou apora arhei. Prau i hui hia e moi tui ratira te nao hiara, hamong tātou i tue te iete. Tra te iete, ya i te reo kutopopa, Societe d'Economie Mix. Mi papu mai tei, ti a tātou rā te pai rhei, ti a rātou rā te pai ti. E te mana o taui, e ne Societe d'Economie Mix, SAS. Ui te oto e a te ora te rapro SAS. Ki tei teiete, nene, Whaohu e te mautau i rau te mautau hewai, te tau a te iete. Nenei huri te pērhai anai pēpai. E te tuhi ara te iete e te tātātu, tauturu nei te mautau iete nei nei. Whaohu e anai rutu i te ie whanhora, e horo ai e ana e piti toma. Nui tianere, te tuai rutu i te iete e te api.
Doria, te wui neid mono, I ha te iu pe ai nei ne hiar. Veio non batra te iu te iu tana iu pa tumu, toturu iu mo te iu te nei nei. Tonto mei te iu, e nere te iu te nei nei. Ea tere paru hiar hanere pe ahuru miria. Ea te iu tona whaito. In ora lai te 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 o pout moni, ai te moni whai tō turu I te mō te te nei nei. I ria tā tātou mō te te nei nei e whiwhier te tamato I ora. I te nei nei ane tui te ihore moni tā tātou, so credo. I te ia tātou e huparhai. Te ria tā maurau erarhai. Me te pepoe o ia mō hua, upa mai te teie. E apito ia te ia whare muni tātātou I te moni. E au tō tera paraura, ai te hau anong ai tōa tātātou I urutu I teie teie teie. E utu mātou, ai ta e moni hoa. E tātātou tū ai tūnei, o te amoana. E hai e horu o te amoana. E ha te a anora. E au pai tera hoa I tō e. Piria tu tātātou tū ai piti miria o tia whenua moana. E ieriro tei o tia moana, I te ete ete. E hata mana. Tō te mau tui rātire e nene wha aho harin I te o tia moana. Tera, me rei te uira te perikitini, e haru tumu, no te mea. Ai tiho a tai hea maeru tui tō tātou rima I taua parau a au ara. Ti roto I te reru. Ti roto I tā orera, ti roto I te maramama orera. E tēnā onei mātou e, e I tēnei nei. E tono I tei, e tei tēnei nei tā tātou, so fidep. Wehi ono nei anei nui tāna hupa tumu tōturu I mo tei tēnei nei. Iai tū mai nei. Anei pērmo wai. E tera e piti tō mai te riro ri tini tō anan hai. E riro rato, rato tu pēr heiru tu I tei e tei e tei. I tei mo I tā pēa. Ani wha anoi nei tera prau e, Sam, Societe de Economi Mi, pene a pā. E wei nō mai atu pēr hei nei. Te tātura mātou I tera pereira. Te mau te ia hepa, I te mau ahi o tō I tāpe. I te mau ahi o tō I tāpe. Paro atu I paro api I whenua wānu atu, ai te rōri wa ahiru tū I tera tei roto I o, poro ahi anara tinto, e hui. Ai te rōri wa ahau, E tātou anan hai. E ne e te rori nā te ore. E au rāparau te ie. Watupu. E ne e ona. Me rei tu atu whenua. E wharo tō mātou e uparau tō hea tiri apro inge. Mā roa I tātou tū tātou tāpura hōpua. Mā iti tō o tō ho e tino mni hanere mirioni. Nō te au whai tō e paruru. E wana. Nō te ie mōn te ie te prohia pe multinasiona. Tō te kutā pōhia tera mōni mai ki o tau. Nō te ohua I tō e paruru. Tāe nō tūpai tera e ohua nō te ie whare pō I tā tātou. E me tātou I tera tūmparau. I nā kia tāo tō urawera. Hā mōru te ie te. I re ani e tō e paruru e tua tapa pāne o tano anai. Nenei anai hāre. Tapo hai te eite ine ine. Te rū noa rautou. Tera te mea mana on ohiare mātou I te imana. Tera te perikitini, tō mātou mōmana. Paruru mai te eite perikitini tōngson, e te anine I oite te ao te mana o te mōmutu, te vera ane te mana o, e le anon parkea te ao e. Oui, merci, Monsieur le Président du pays, Madame la Ministre, Monsieur les Ministres, chers collègues, internautes, journalistes, bonjour. Alors, ce projet de délibération est le réceptacle de la prochaine qui prévoit l'investissement de plus de 1,2 milliard de francs de patrimoine public dans un projet économique avec une société dénommée Jiming Fishery Investment
Management Limited. Avant d'aller plus loin, il apparaît important de rappeler que c'est la Sofidep et de donner quelques chiffres concernant cette société, son activité. La Sofidep est une SEM dont la vocation est de venir au soutien de projets économiques, de création, de transmission et de développement de petites et moyennes entreprises polynésiennes. Elle a, depuis sa création, octroyé 250 prêts participatifs avec un montant moyen de 9 millions. A investi, je cite, près de 300 millions dans 5 entreprises locales. L'objet même du projet est d'élargir le champ des entreprises éligibles aux offres de la SEM. Élargissement par la taille de l'entreprise qui n'a plus besoin d'être une PME, mais toujours intervenir dans les sociétés de droit polynésien. Le gouvernement prévoit pour la Sofidep un investissement de 2% sur un capital social de 2 milliards, soit 40 millions. Mais à ces 40 millions de la Sofidep, le gouvernement prévoit que le pays lui-même mette au pot commun en apportant des terres et des zones maritimes publiques, de la ressource maritime et des infrastructures publiques. En somme, il fallait, côté Polynésie, un apport liquide minimum versé par la Sofidep. Ça, c'est notre choix. Le rapport dit sans transfert de propriété, mais seulement en jouissance, c'est-à-dire que le pays restera propriétaire de son domaine. Cependant, je suis curieuse de savoir comment est valorisée la ressource maritime qui est une composante de l'apport. Pour ce qui est des terres et des infrastructures, ce n'est pas trop difficile. Cependant, je suis plus sceptique sur l'évaluation du domaine maritime et sur celle de sa ressource. Mais à la fin, je dirais que cela dépend de la manière dont elle est utilisée, cette ressource. Le projet nous dit que les installations respecteront l'environnement. Pourtant, on sent bien qu'il y a là un enjeu important. Si la ressource est mal gérée, en dépit de tout souci de développement durable, cette dernière n'aura plus en réalité de valeur financière intrinsèque une fois qu'on l'aura vidée de ce qu'elle contenait. Raison de plus pour les investisseurs étrangers de ne pas avoir besoin de l'apport en propre du domaine qui est une fois épuisé de sa ressource ne vaudra de toute façon plus rien. Pour se rassurer, on pourrait se fier à la qualité de ceux qui, regroupés autour de la société, se proposent de gérer cette activité. Pouvez-vous nous éclairer sur ces investisseurs ? Il y a quelques mois de cela, Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères, avait déclaré à l'adresse du gouvernement chinois que l'océan Pacifique était assez grand pour les États-Unis et la Chine. C'est cela l'enjeu. Ce n'est qu'une question de pouvoir sur les ressources naturelles existantes. Et concernant la pêche, il est clair que l'océan Pacifique reste l'une des zones les moins exploitées du monde. Il y a donc pour des investisseurs de toutes sortes de ressources à exploiter, je dirais même à épuiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis après, ils iront ailleurs, piller ailleurs d'autres populations. À cela, je dis protégeons nos ressources, car nous voulons, en tant qu'élus responsables, préserver pour nos générations à venir. Là, je vous remercie. Bonjour, les journalistes, Ce dossier, mes chers collègues, comme le suivant, relatif à la modification des statuts de la Sofidep pour permettre sa prise de participation au capital d'éventuelles sociétés Tetinui Jiming Ocean Farm, relève de la seule opportunité politicienne, tout en étant doublé de la plus grande opacité. La Sofidep, qui a été créée pour venir au soutien des petites et moyennes entreprises qui, comme vous le savez tous, connaissent aujourd'hui les pires difficultés et ont plus que jamais besoin d'être soutenues,
Aujourd'hui donc, et parce qu'on cherche un actionnaire pour entrer au capital d'une société fantôme, on nous propose de modifier les statuts de notre établissement financier. Je parle de grande opacité car, à ce stade, nous n'avons aucune information sérieuse sur la crédibilité des actionnaires en question, des actionnaires chinois, sur le mémorandum signé entre eux et le président du pays, nous n'avons aucune information, et encore moins sur les futures activités de cette société et leur localisation. Tout ce que nous savons de ces actionnaires, c'est leur identité et la répartition du capital de la société qu'ils ont créée pour l'occasion à Hong Kong. Monsieur Chen, citoyen chinois demeurant à Pékin, propriétaire de 1000 actions. Monsieur Cheng, citoyen chinois demeurant à Hong Kong, propriétaire de 6000 actions. Monsieur Zheng, citoyen chinois demeurant à Pékin, propriétaire de 3000 actions. Voilà ce que l'on sait de ces actionnaires. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous avoir ce matin parce qu'une fois de plus, nous avons quand même quelques informations à vous demander. Le 29 novembre dernier, vous avez signé avec les représentants de Jiemming Fisheries une lettre d'intention formalisant le cadre juridique et les conditions de création d'un accord, d'une joint venture. C'est en tout cas ce qui figurait dans votre communiqué de presse. Notre Assemblée n'a pas connaissance des termes de cet accord, même si vous en avez évoqué les contours devant nous. Mais nous préférons naturellement, et vous nous comprenez, avoir le document en main plutôt que de nous fier à vos belles paroles si souvent non suivies d'effets. Le groupe Tahoeira vous a saisi à deux reprises, par courrier les 10 décembre et 9 janvier dernier, afin d'avoir communication du dit document. Vous n'avez pas donné de suite à notre demande, ce qui nous laisse à penser que vous avez des choses à cacher à la représentation populaire. À moins, bien sûr, que vous n'ayez pas eu le temps de traiter tout votre courrier en raison de vos préoccupations et de vos occupations personnelles à New York. Ça peut être une explication. Occupations personnelles, mais naturellement aux frais du pays. Les rapports qui nous sont présentés aujourd'hui, Monsieur le Président, 5 pages pour plusieurs milliards d'investissements, ne lèvent pas l'opacité qui pèse sur ces dossiers, qui ne sont finalement qu'un condensé de la note de présentation adressée le 15 janvier dernier à la SOFIDEP par votre ministre des Ressources marines et reproduite dans la presse. Tout ce que nous savons au final, c'est comment va s'organiser le capital. Par contre, et alors qu'on nous demande de donner notre aval à une prise de participation financière de la SOFIDEP, dans un premier temps à hauteur de 1 million, puis ensuite de 40 millions, à la faveur d'une future augmentation de capital, nous n'avons toujours aucun business plan pour nous assurer de la viabilité de la future société. Naturellement, et vous comprenez, Monsieur le Président, qu'une de nos préoccupations plus importantes, c'est de savoir quelle garantie de financement nous avons aujourd'hui et quelle garantie financière bancaire que nous apporte cette fameuse société. Sans business plan, sans assurance sur le futur, la seule certitude que nous ayons, c'est que le pays a déjà décidé de s'engager financièrement à hauteur de 25,5 millions dans un premier temps avant d'apporter 1,25 milliard de terrains dans la corbeille de Marié à l'occasion de la prochaine augmentation de capital. Quid des autres? Quid de nos partenaires chinois? Où avez-vous vu, Monsieur le Président, mes chers collègues, qu'un établissement financier digne de ce nom puisse participer au capital d'une société sans avoir de données chiffrées? Tout ce qui ressort du dossier au moment où nous parlons, c'est que les services techniques du ministère sont en train de mener une étude technique et économique. C'est le monde à l'envers. D'ailleurs, ce que je le dis là a été confirmé en commission. Je vais vous lire, mais très rapidement, ce qu'a déclaré à la suite d'une question posée par notre collègue Hirote Farere sur l'article 1er. Votre ministre des Ressources marines, en effet, confirme bien que, dans un premier temps, il s'agit de mobiliser les 2 milliards.
ite o muara o te yamatai. I muri mai, i muri mai. I leira tātou, e whanhou atu ei, te tua tapapara, e mena whea mau, te whaohu para, e te ratu chopea. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, l'état du dossier tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc, je disais que c'était le monde à l'envers, on nous demande de payer, et puis après on verra si l'investissement est sérieux et rentable. Je vous rappelle ici de manière très solennelle, comme l'a d'ailleurs fait la CGPME avant nous, il s'agit de fonds publics, et que vous engagez votre responsabilité pénale. Je doute d'ailleurs que les autres actionnaires de la Sofidep, qui sont des gens sérieux, comme le DT ou les trois banques de la place, donnent leur aval à votre périlleux montage. Vous passerez outre, évidemment, puisque vous êtes l'actionnaire principal. De la même manière, et toujours pour souligner votre amateurisme dans une précipitation coupable, qui n'est dictée en fin de compte que par des intérêts politico-électoralistes, vous nous expliquez qu'un pacte d'actionnaires et de commercialisation sera conclu avec Jimin. Mais que nous n'avons pas d'idée du contenu de ce pacte, mais que nous avons confié le dossier à un cabinet d'affaires international. Nous prenons aujourd'hui la décision d'engager les finances du pays, mais on va attendre, malgré tout, pour vous apporter d'autres informations. Là encore, la logique aurait voulu que cette consultation soit achevée avant qu'on ne se lance dans cette aventure. Par ailleurs, nous avons bien compris que le pays allait s'engager à hauteur de 24,5 millions dans la constitution du capital initial. Capital qui devra être porté à hauteur de 2 milliards au plus tard le 31 mars prochain. La participation du pays se faisant par apport en nature, c'est-à-dire par la fourniture de terrain. Là encore, c'est toujours le flou total. Le rapport nous explique que la commission des évaluations immobilières a été saisie le 3 janvier dernier. Mais nous n'avons aucune indication sur les terrains concernés et encore moins sur leur évaluation. Je vous rappelle à ce stade des engagements financiers que vous nous demandez d'avaliser que le droit à l'information des élus n'est pas une formalité dont vous vous exonérez. Monsieur le Président, si vous consultez l'Assemblée de Polynésie, c'est que vous voulez que nous apportions, nous, les élus de cette population, les garanties de la bonne fin de vos décisions. Donc, nous voulons connaître les résultats des travaux de la CEI et surtout nous voulons connaître la localisation des terrains, parce qu'on a tout entendu à ce sujet-là. Ça a commencé à Hau, c'est venu à Fakarava, c'est parti à Huahine, et semble-t-il que c'est plutôt Tahiti qui intéresserait nos partenaires chinois. Vous avez visité donc ces trois sites avec vos amis chinois, mais aucune réponse, en fin de compte, jusqu'à ce jour, n'a été donnée. Et d'après nos informations, ce ne sont pas ces sites qui intéressent les futurs associés du pays, mais donc bien un site de la presqu'île de Tahiti. Nous n'en savons pas plus sur le type d'espèces qui devraient être élevées dans nos fermes, dans vos fermes modèles. Pour faire court, tout ce que vous nous livrez, c'est du vent. De belles paroles, mais vous n'avez en aucune manière mesuré les conséquences de votre inconséquence. Bien évidemment, et encore une fois, l'avenir ne vous concerne pas. Vous savez d'ores et déjà que les Polynésiens vont prochainement vous congédier, car en voici encore un exemple, vous ne savez pas, et vous ne savez pas comment gérer le pays. Votre démarche, et j'en ai terminé, Monsieur le Président, j'ai fait 20 000 km pour ce dossier, votre démarche et l'urgence que vous mettez à vouloir faire aboutir ce dossier bancal, elle n'est qu'une démarche démagogique et électoraliste. Vous voulez faire miroiter aux Polynésiens, et notamment aux Paumotu, que vous êtes allés démarcher, que ce projet va les sauver et créer des dizaines de milliers d'emplois. Au besoin, vous êtes prêt à brader le pays. Mais Monsieur le Président, n'oubliez pas que le soleil se lève à l'est. Et bien sûr, mais ça vous l'avez avoué à demi-mot à votre retour de New York. Si vous êtes tant pressé de conclure avec cette société chinoise, c'est parce que vous souhaitez en retour obtenir les bonnes grâces de la République populaire de la Chine pour vous appuyer dans votre démarche personnelle de réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Quelle ironie! Quelle ironie! Monsieur le Président, j'en ai fini. Pour entrer dans l'histoire par la petite porte, vous êtes prêt à tout sans même vous assurer au préalable que votre choix est un bon choix pour les Polynésiens. Qu'on ne se méprenne pas, le Tahoeraa
n'est pas contre les investissements étrangers, loin de là. Alors que vous, au contraire, vous avez fait campagne en 2008, et là j'ai retrouvé quelque chose de piquant. En 2008, contre les investissements chinois, rappelez-vous, Monsieur le Président, il s'agit des investissements à Faratea. Que disiez-vous le 22 juillet 2007 dans cette assemblée? Les nouvelles... Les nouvelles de ces dernières semaines disent que la Chine investirait du côté de Travor, Faratea. Vous vous rappelez, Monsieur le Président? Mais je ne sais pas si la population de terre poussée, que leur terre, si belle aujourd'hui, si votre projet en collaboration avec la Chine est approuvé, eh bien ces belles terres deviendraient des chiottes. Voilà ce que vous pensiez des investissements chinois, le président. C'est vrai, Monsieur le Président, j'en ai terminé. C'est vrai, c'était avant. Oui, au Tahoeira, nous sommes persuadés que nous avons besoin des investisseurs privés étrangers pour le lancer notre... Maruru maite, maruru maite, maruru, maruru, te anineyao, te tiao, te tapura amui, onoane, tiao era. Maruru maite, pretini tia porarhei, iorana. Pretini to tatu finua, mo fatrihau, tatu, nga maiti e to tatu nuna, to tatu tofa, iorana, rana e... Maru tui da mer tui totato finua. Totato depute, ani oi hae anua tui varani. Aita, yo rana mai tei, mo papa e vea e tatou pauro. Rana mai tei. Anau haa pupu te ie, pritini. Haa pupu mai tei te fatere rao totato finua. Ia hi o mai tei tatou tora raa prutitao totato finua, pritini. Aita, hoi uhipa mi te ie, Fatu puhiero tui tō tātou whenua me te tau e te tau. Ai taha oe ahupa me te iei tupu. Paraumau, te venei te mō tamatamatara ātoumi o tarātou i whari. Te ria e. Te ria e, i mira afofu aro tui tō tātou whenua, whari rei te ahupa ino, pra tui tō tātou whenua. Wharo, wharo pinipine tātou i te iei parau. Whari i anei tātou i te muni a te iei nun a teina. Nā roe ani tātou pōru i onei, Te mo tia mai te hia, rutui te pia pia porarhei. E hā te hara te ie nun a. E hā te hara te ie nun a rutui te ie whenua, e pato i ei oto, i tato, i a whanho i te tei, whanho rā, papu, rutui te roara o te tau. Anina. Te nun a whrani hera mei rawe, harui tō tato whenua, whapa aina tāna mō tamatamatara ātomi, te riata o tō hea pōpō mai tei. Te muni. Noroto mai, te hamari te aiti mohi a taparahi ta ata. Te ria ta tātou? Te ria, mana hapopo te i tō tātou, whātere rao tō tātou whenua. Te teni, mea heit parau tā tātou i whāro, te tia durira rāvo e araua, nā whātere rao tō tātou whenua e tātara hua hua mai. Te tei tei me, o mana au au e, te mea te venei te whenua tō tātou. Wanu wanu raro. O mana wau e nenhe pai, e o omo i te i whenua, i roto i te whanohon hora, te tu ati ati pai. Te pahonohi a maira aita, ai te nenhe. Te mea te roto te i whenua i te paro te awara, o tupu te hei tawirir amonin i te i whenua, au e hui e. Whenua nenhe roa te i e, taura amanurewa, te vera te hei maawaiti, e nenhe whanohi te hei papapuio, te pahonohi a maira aite nenhe. Atira no atura. Vai hoia tātou i te awa i rawa i tāna hiu. E, te ie pai, prauno te ie, te ie te tātou, Sophie Depp. E maha ahuru mirioni, tātou e titaura, i te ie te ie te, e whātumo mai roto. I aito mo tua tapapara, ua hau te hanere mirioni, te te ie te tātai tei o tārātou i whāri, e pāturu. E hapa ia te ura o te ie parau, Tei e te nei nei, e tei e te rarhei. Te hia tona ta aera arutui ti o rāta pai au pātoi, tui tō tātou whenua. Ua pōpō mai tō tātou whātare hau, i rutui komisio, ai taho ara tō tātou deputei tēmē. Rutui komisio, ua pōpō mai ono. Te mau tei e te o tei tauturuhia. Hanere mirioni tāte tei, iwa hanere mirioni tāte tei. E tei e mā hanere mirioni, te au e rāta whia.
Maharu milioni, te auera te feiar, aitaro e mar mar mar. Oia. Oia, te me o itera tu e te iet oputa. Te iet oputa e mai hait para. O to tatu nuna e mai hait para. O ti mira fofu au to tatu finuor tu troar au te tau. O papuro ira tu. Tarato e imira te maurava e ato. E a mea mea i to tatu nuna. Fa tururi feruri au to tatu nuna. Afeara to tatu praura e horo a tatu e piti miria aru tu i te i ahata. Faro tu au e piti miria. Homa. Fa e ai fari e rie i to tatu nuna. Fa e ai ta amata ui to tatu nuna. Te ti ai rara voi te pahonora. Aru tu i te rau ira. E ha te hara te e nuna atini to. I narirai o to irato. Maruru peitini. Maruru mai te ai te. E toi nei te moti ai te taratu i pupu. Kalan Vernodon. E na oto pa atoa hu e huru miriti. E te meu ani meu armel. Pari e namua i te mouheine i a propra. Armel Merceron ti auera. Iauru e tabuto, iauru e tabuto, Nadia Kala ti auera. Maruru preteni. Te farone vau, mo mono, ta ti te pupu, mono matamua, te ia preteni, teito, tongson, niu te 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 SAS. E ti pone mar mar mama i te ha te avda te SAS. Tato ti ure o te arapu, te vera tamato whanon hora heo e te pupa. Nyo te SAS. Me hui e ona e me mama e. Tu e te peruri mei tei, te vera mo no tāria, te vera mo pia. E para unu atu para ua e titana. Je voudrais simplement, j'ai préparé par rapport au dossier que nous avons ce matin, en écoutant les uns et les autres, j'ai visé trois aspects, l'aspect humain, l'aspect politique et l'aspect d'économie. Si vous permettez, Monsieur le Président et Monsieur le Président du pays, je viendrai sur l'aspect économie parce que nous sommes à fond là-dedans. Les investissements chinois de la société Jiming Fishery Investment Management Limited. On est tous en extase devant la réussite de nos amis et nos frères calédoniens. Mesdames et messieurs, les élus de ces investissements sont les résultats d'un partenariat avec les grandes puissances mondiales. Projet Goro Nickel, dans le sud Pacifique. Partenariat brésilien, 49%. Partenariat calédonien, 51%. Projet Vavotou, projet Goro Nickel sud. Projet Vavotou dans le nord, partenariat canadien, 49%. Calédonien, 51%. Projet POSCO en Corée. Projet POSCO en Corée, pas en Calédonie, en Corée. Partenariat coréen, Calédonie, 51%, majoritaire en Corée. Et les Coréens, 49%. Le 20 septembre 2012, l'AFP, la Société minière du Pacifique Sud, SMSP de Nouvelle-Calédonie, a signé un accord de principe avec le groupe chinois, Xinjiang, pour construire une usine de 30 000 tonnes d'hydroxyde de nickel, a indiqué jeudi l'AFP de la société. Un mémorandum, accord de principe, avait été signé en juin et fin août. Xinjiang a donné son feu vert pour que nous détenions 51% du capital des deux co-entreprises, a déclaré l'AFP. Dominique Nassi, directeur des relations extérieures de la SMSP. Aux mains de la province nord, le mineur calédonien va construire en partenariat avec Xinjiang, premier groupe minier chinois et troisième producteur mondial de nickel. Une usine métallurgique d'une capacité de 30 000 tonnes annuelles de nickel dans le sud de la Chine. Cette unité sera alimentée avec du minerai latérique pauvre en nickel. Donc la Calédonie a un potentiel énorme issu des mines de la SMSP en Nouvelle-Calédonie en raison d'environ de 2 300 000 de tonnes par an. L'entrée en production est prévue en 2017. De deux co-entreprises, l'une détiendra l'usine et l'autre les mines, seront créées dans chacune d'entre elles. La SMSP aura 51% du capital et Xinjiang, la société chinoise, 49%. Les discussions ont été longues et la négociation très dure, a déclaré aux Nouvelles-Calédonies André Dong,
PDG de la MMSP. Je pense que André Dong, l'ancien président Tongson, l'a rencontré ainsi que quelques élus. C'est pas un petit monsieur. Exactement, sur le même modèle de la SMSP, est associé avec l'aciériste du sud-coréen POSCO, leur usine de Gwangwang, produit actuellement 30 000 tonnes de ferro-nickel et doit monter en puissance d'ici 2014 à 54 000 tonnes. La SMSP utilise une partie des retombées financières de son partenariat avec POSCO pour financer la gigantesque usine de Koniambo, construite dans le nord de la Nouvelle-Calédonie en association cette fois avec les Suisses Xtrata. En conclusion, je lance à défi n'importe quel élu que ce soit de nous trouver une société française qui vienne substituer à cet industriel chinois. Pour le projet actuel, dans le contexte actuel, il faut faire comme nos amis calédoniens. C'était sur ces propos. Sur les autres aspects, j'interviendrai tout à l'heure. Donc, je remercie. Madame Armel, merceront 5 minutes. Alors, je parle au nom des non-inscrits Atia Polinetia. Voilà, et donc ça fait au moins 4 personnes et je revendique 12 minutes. 4 fois 3, 12. Oui. Bien, je vous remercie de me donner la parole. C'est vrai, nous avons besoin d'investissements pour mettre notre pays sur la voie d'un développement durable. Nous avons besoin d'encourager les initiatives créatrices de richesses et d'emplois durables. Alors oui aux investisseurs privés, investisseurs polynésiens en priorité, éventuellement extérieurs, quand la dimension du projet dépasse nos compétences technologiques et financières. Jusque-là, et seulement jusque-là, je suis d'accord avec vous. Mais pas n'importe comment. Malheureusement, le projet en question aujourd'hui nous laisse très sceptiques sur son sérieux et son réalisme. Plusieurs intervenants sont venus dans ce sens. Pour l'instant, je voudrais évoquer la manière dont vous le mettez en place. Premier reproche, le gouvernement veut changer les statuts de la SOFIDEP et sa majorité pense que cela ne tire pas à conséquence. Faux. Les missions actuelles de la SOFIDEP ne sont pas le fruit du hasard ou d'un caprice, mais d'une réflexion. Ici même, le 3 juin 1999, lors de l'examen de la délibération qui a créé la SOFIDEP, les rapporteurs, j'ai retrouvé le document, affirmaient l'esprit du projet. Susciter le maximum d'esprit d'entreprise chez les Polynésiens eux-mêmes, pour multiplier les entreprises individuelles et familiales. D'où, à l'article 2, la société vise les petites et moyennes entreprises. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous transformez la SOFIDEP pour répondre à un besoin à court terme et non après réflexion stratégique. C'est pas sérieux. Aucune réflexion de fond, aucun débat. Vous vous contentez de supprimer les mots « petite et moyenne entreprise » et le tour est joué pour trouver le pigeon qui apportera les 2% dont vous avez besoin, sans vous préoccuper des conséquences. En effet, par simple opportunité, parce que vous avez, Monsieur le Président, engagé votre signature pour réaliser le projet avant le 31 mars 2013, vous balayez... Vous risquez en tous les cas de balayer 13 ans de bon fonctionnement de la SOFIDEP. La preuve, le rapport Bollier n'en parle pas du tout. Ça veut dire que ça marchait correctement. Vous n'avez fait aucun diagnostic, aucune étude pour vérifier le bien fondé de l'évolution des missions. Vous pilotez à vue par pur opportunisme et sans doute parce qu'il y a une échéance électorale qui se profile. Dorénavant, et ça c'est une conséquence, on ouvrirait la porte de la SOFIDEP à tout projet, quelle que soit sa taille. Les grandes entreprises, c'est évident, vont se précipiter dans la brèche et il n'y aura plus de rempart juridique pour pouvoir dire non. Et j'entends déjà M. Fribourg dire, et le cas de Aranui. Mais Aranui, c'était une entreprise polynésienne qui avait fait ses preuves et nous savions que c'était pour une dimension circonscrite. Là, on parle de
combien ? 10 milliards sur 15 ans ou 15 milliards sur 10 ans, enfin je ne me rappelle plus. La capacité d'intervention financière de la Sofidep, elle est aujourd'hui proportionnée à la taille de sa cible. Et très vite, on risque d'assécher ses possibilités d'intervention en faveur des petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup plus besoin des autres, des coups de pouce publics pour compléter leur financement. Et vous savez très bien que notre avenir économique dépend de l'initiative de nos petits entrepreneurs. Et ce n'est pas à des souverainistes que j'apprendrai la chose. Deuxième reproche, la société Tahiti Nui Jingmin Ocean Farm, je ne suis pas encore habituée, n'a pas été traitée par la direction de la Sofidep en respectant le processus établi par le règlement intérieur. Pas d'instruction d'un dossier complet, juste quelques notes sur des intentions générales, signées, je pense, de M. Temahori. Alors que, et c'est ça qui est grave, l'on exige des petits porteurs de projets de nombreuses pièces que l'on examine à la loupe. Je suis allée voir sur le site de la Sofidep la liste de tous les documents que l'on réclame. Là, il n'y a pas de compte d'exploitation prévisionnel, pas de business plan, pas de consultation des banques de la place susceptibles de financer ultérieurement l'activité, pas de présentation au comité d'engagement. Tout ça est dérogatoire. Pire, pas d'études sur les associés, sur les comptes des partenaires, sur leur notoriété. Opacité complète. Pas de vérification au titre de la loi anti-blanchiment. Ce n'est pas que j'accuse de quoi que ce soit, mais je dis que ce que l'on fait pour les autres, on ne le fait pas pour un projet énorme. Pas de vérification, donc, de la loi anti-blanchissement. Alors que cela se fait systématiquement pour les autres dossiers. Il y a donc deux poids, deux mesures. En fait, on sait très bien que la Sofidep, que l'entrée de la Sofidep n'est justifiée que pour permettre au pays d'être majoritaire, parce qu'il lui est interdit de détenir plus de 49% en participation directe, sous peine de devoir créer une SEM dont vos partenaires et vous ne veulent pas. Alors, on oblige la Sofidep à apporter de l'argent frais. Les missions de la Sofidep sont d'apporter des fonds propres à des projets pour boucler leur financement et faciliter leur accès au crédit bancaire. Ce n'est absolument pas le cas ici. Du reste, les banques n'ont pas été sollicitées. Je vous demande pourquoi vous n'avez pas demandé à la Socredo. Peut-être que vous aviez peur des règles bancaires. Concluez, s'il vous plaît. Je vais conclure. Effectivement, en fait, toutes ces questions, tous ces doutes, ce n'est pas le projet en lui-même qui est critiquable, mais c'est ce manque complet de transparence qui entoure le projet et qui est fait d'annonces publiques mirobolantes. Alors qu'on n'a pas le premier bout d'une étude sérieuse de faisabilité, de crédibilité scientifique, technique et économique, qui nous garantit du sérieux. Autrement dit, Madame je conclurai en disant que c'est plutôt une joint adventure. Maruru Maite, Maruru, Maruru. Irotoit van hor autata to ture roto. Ja horohia hu e huru minitin nad moti aitatarato e pupu. Me hui hui te teime roto ja rato. Rate ur aute e prau. Na te tato ar autumu preti tini pupu i fanhoi te rietufa. Maruru Maite. E te fatere raut fenua, ti auer, preti tini. Yorana itu tatu fareri di IT ini pepe pretit ini nut ap ora arhai ut fenmu ma hinui fatrehau ut fenmu ma hinui muti a mai di hete nun an ut fenmu ma hinui tanu atu itu tatu nun au ti tame ite pepe mau pap e tatu pa atu e mat ite minei te ye fan hora a Nan tatou de tui te pia apurar hei o tō tatou whenua i te iepepeu. Whari mei te tapa anō terwha, tatou hui tō whā. Pura nai terwha no te atua i tō tatou wharerei dai tēne pepeu. Nia rua o te ietei o mhana i a tapa hui ar tui te aai o tō tatou whenua. Mhana whanaura te o tō hua. Ae no atu e te ria. I tate e te omhane mohi au no te mea te epepe nei po te mei proa pi na te whenua marite na New York mai.
tap o hia to tato prau, e re tui te pia papeit a prau, at heu a mui, te numera el hono hur mauno, tu o tapapahia to tato prau, I te piti a hur maho e no tei a e no februare, ai tare I tōpetomo matamua, no mati. Prau o oa teie no te nuna a maho I te nuna a nona teie whenua. Toru ahuru mapae matheiti I te arora. Toru ahuru mapae matheiti. Ua tae tō tātou prau I muai te aro te aonei teie man. Nuri a maruru I te atua o te manui ar au teie tāpuru hepa. A maruru tō I te tāto ora o te mai tāretia o teie whenua. Te mōna patifa, tēnu atu tō te au nei. Tei paturu mai te e tāpuro e pā, I atua tapapahia. Ti aitu e tātou I te parau, no te maitira. Koere mā, arohioneo I tō tātou mō manao. Eish, o mai te tei manao e... Wea tra parau tātou pā la sterilite. Mungan o, ai te penen he, e whaatupui te tei, whanhora. Tuhin aro parau e, te tei parau. Mea ta eti e tiro noroto mai tato. Ia whaari tato poro I te opuara. E te uira ae, e rea nei, me tano ae nao, e nao. Hapo e tue iau, e mana au pāto ina, norto mai utu. Hapo e tue iau. E ue, te hina arono ara tātou, I aura noe a tātou, mita tātou I ora maina. E tu te I te nunga, Te orara au te tau CVP, e whae anō tātou I unei o tātou. Tupui honei te te ruru airitu I te piāpura ar hau te whenua I te mhanapai me di anei. Wāni hia te te uira. Te e tātou tātou pōrua I mataru, Mr. Poirin. Economist, qu'est-ce que vous pensez des investissements chinois de ce projet d'aquaculture? La réponse a été, c'est ce dont ce pays a besoin. Ehi o tōi tēnei, maruru o iat iki, tangot iki, maina sāj, o rēne te miharu. Tei me tano moi te eterati unei rātou, haui tō tātou mōmano. Ai tō tōi tēnei, ai te ehi pahuna, rūtu iti o puara. Pramau, I te horu maiwa no noe mai meri anei o tarimolo I te prau, e te motia o te taiete, o te whahare rai te hupai moa, letra d'intention. Te o tu o I te te irau aru tui te prau. Te irau av au. Jingmen Investment investira 1,5 milliard de dollars US sur une période de 15 ans, et ce dans le respect des conventions internationales, des réglementations internationales et locales relatives aux ressources marines et du développement durable. Un planning scientifique de recherche sera établi. Elle s'engage à édifier les constructions suivantes. Le centre d'écloserie,
Il ne s'agit pas d'accords de pêche, fish farming, et le centre de recherche, la base d'élevage, la base de transformation, la base vie, l'usine de transformation de nourriture pour les poissons. Voilà ce projet. Faire de la Polynésie la vitrine mondiale de l'aquaculture. C'est notre ambition, ça. Ça devrait être notre ambition à nous tous. Il y a d'autres voies à tracer. Faisons-le ensemble. Que ce projet devienne notre projet. Présentez-nous votre projet équivalent à celui-ci, il n'y en a pas. Il y a le secteur primaire à développer. Le tourisme, bien sûr. C'est ça le développement durable. Il faut reconnaître qu'il a été mis en place aussi un système anti-développement. Nous voulons petit à petit changer le développement de ce pays et aller vers une société de production. Ça devrait être notre vision politique à nous tous. Tuir at mawir an en heta to eu. Ti an eite o pwyr a'i hafifi hir. Tuir at mawir hafifi la. O o rau i ti man o tme o tato maid bro api nad fyn o tim to maid. Ta amatar a tew frani te paheru e hamau te ie. Ta pwyr o. E ta eti a turi ne e paturu maid. Ei o pwyr. Te ao tātou o te ie hiom e rei te imhana te ie, o te omona pakitifa tō tātou. Rau rei te rairu tuit mo rūra i tupu hunei te momata hei te imeri aneiru tuit rūra at foram. Te ie o te omona tō tātou. Mana oi te ie e vovot o mei o tui tātou o puara. Te wenei te tei amant mai o nei. Nor to mai oto, te anira ia tauhi au sofideb tuhi au mai ifre mea. Ia mat heiti ifre mea rio ne, pa ahuru mat heiti pa. Iau ea tae rene. Heiti e itato i te dure i te tei o puar ai o te or amai. No te tei mua ni a tatatou, nā tō tatou ia whātare hau e wawo tu te rie moi tatou. Pretin, maru mai. Maru mai tei, tei o mai tatatou i rawa matamu. Article 1er, l'alinéa 1er de l'article 2 de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999. Portant création de la SOFIDEP est rédigé comme suit. Article 2. La société a pour objet de faciliter, par tout moyen financier, la création, la transmission et le développement des entreprises dont le siège social est en Polynésie française. Bien, Monsieur le Président, merci, chers représentants, bonjour.
Alors, j'ai, au titre de l'article 1er, vous avez bien compris qu'il s'agissait donc de remettre à jour le statut de la SOFIDEP afin de corriger les erreurs du passé, quoi que n'en plaise. Lorsqu'on a fait à l'époque des investissements à hauteur de 100 millions, il ne me semblait pas que le cadre légal était respecté. La première des opérations, c'est une remise à jour de la situation des statuts. C'est donc ce que propose cet article 2. Car comment peut-on mettre uniquement les investissements dans les petites et moyennes entreprises quand la SOFIDEP était engagée à plus de 100 millions d'investissements directs? Alors que le projet qui vous est présenté dans l'autre délibération concerne une intervention à hauteur de 40 millions. Il faut de temps en temps que notre droit soit conforme aux actes. Donc c'est la première procédure qui vous est présentée ici dans la modification de proposition de cet article. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis représentants à l'Assemblée, Tato Patoa Yorana. J'interviens sur ce dossier puisque je siège également au conseil d'administration de la SOFIDEP. Je me suis opposée à ce qui est proposé dans la mesure où, alors j'ai entendu des arguments qui disent, oui, mais attention, par le passé, nous avions investi 100 millions dans telle entreprise. Par le passé, parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans la SOFIDEP. Vous vous rendez compte que la plupart des dossiers qui passent depuis ces dernières années, ces trois dernières années en commission, ce sont des dossiers pour accompagner des petits patentés, des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Quand vous allez pomper plus de 40 millions de francs par dossier, on va avoir encore moins d'argent pour aider un maximum de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ces patentés se battent pour garder leur propre emploi. D'autres jeunes qui savent qu'il y a une grande difficulté pour se faire embaucher dans la fonction publique ou dans d'autres débouchés, créent leur propre entreprise. Et la SOFIDEP intervient à ce niveau-là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent là. Comme vous ne voulez pas utiliser TNR, qui est complètement en difficulté financière, vous allez chercher l'argent là où il est. Sauf que cet argent-là, il a été bien géré. Et il a été géré pour accompagner les petites et moyennes entreprises. En Polynésie française, plus de 95% des créations d'emplois se font par le biais de ces petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je m'oppose, et je me suis opposée au sein de la SOFIDEP, à ce que vous proposez. Quand vous parlez, Monsieur le Ministre, de droit conforme, si on parlait vraiment de droit conforme, pourquoi est-ce que ce dossier n'est pas passé devant les actionnaires en Assemblée générale, puisque l'année dernière, il y a eu une Assemblée générale? Vous nous sortez ce dossier en début d'année, ce n'est pas passé devant les actionnaires de la SOFIDEP, vous faites passer ça en conseil d'administration de la SOFIDEP pour dire, voilà, j'ai besoin d'un envoi officiel de la SOFIDEP vers l'Assemblée de la Polynésie française. Nous, les élus, nous changeons les règles du jeu sans que les actionnaires aient été consultés. Et après, on va leur dire, ah ben voilà, le texte a changé, dorénavant, le fonctionnement, ça sera comme ça. On a pris 2% de participation dans une entreprise dont on ne connaît rien au niveau des actionnaires étrangers. Je ne suis pas opposée aux actionnaires étrangers et à leurs investissements locaux, mais soyons sérieux, faisons des choses sérieuses. Quand je vois, et on a vu passer en commission, des dossiers épais comme ça, de demandes de petits patentés, on leur a demandé des tonnes de papiers pour justifier, pour avoir 1 million, 1,5 million, 2 millions d'accompagnement financier, et que nous, en conseil d'administration, on a droit à 4 pages sur lesquelles il y a marqué « on va créer de l'emploi », 3 petits points, « il va y avoir telle et telle orientation », on n'a rien, c'est pas sérieux. Et mettez-vous à ma place, peut-être que vous avez un niveau d'information qui n'est pas le nôtre, à ce moment-là, communiquez-le. La convention, on ne l'a jamais eu entre les mains. Le dossier complet, peut-être que vous avez, on ne l'a jamais eu entre les mains. Mais quand on étudie un dossier, on essaie de voir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un business plan? Est-ce qu'on va vraiment créer de l'emploi? Comment ça va se passer? Comment ça va être implanté? Maintenant, si vous avez tout ça, vous nous éclairez là-dessus. Mais bien évidemment qu'on va être favorable. Mais mettez-vous à notre place. Il y a 3 mois, on entendait parler de 60 000 emplois créés grâce à ce projet.
Maintenant, on entend parler de 10 000 emplois. La prochaine fois, ça va être quoi? De 10 emplois? Donc, à un moment donné, faisons les choses sérieusement. Et quand on veut respecter le droit, c'est le même droit pour tout le monde. On traite une entreprise comme celle-là de la même façon qu'on traite notre petit patenté qui vient à notre guichet Sofidep demander de l'aide et un accompagnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Monsieur Gaston Floss. Pritin Yoran, tenu à tout mon fatré, Yoran et Terfonoté, tout et tout à tout, Farina, et Tiepepe. Monsieur le Président, il est inexact de dire que le Tahoer Ahuiratria est opposé à ce projet. Et seulement, nous voulons avoir tous les renseignements et connaître exactement le fond de cette affaire. Bon, bien sûr, vous vantez les mérites de la Chine, l'ouverture de la Chine, tout ce que la Chine peut nous apporter, mais nous avons quand même quelques doutes sur votre attitude parce que il n'y a pas si longtemps que ça, vous ne l'avez pas oublié, Monsieur le Président, lorsque le Président de la République de Chine, Monsieur Jiang Zemin, nous a rendu visite en 2002, vous étiez sur le pont de Fa'a avec des cailloux pour lui lancer des cailloux à la figure, lui interdire le passage. Et il a fallu, alors là, un tas d'artifices pour essayer d'éviter de passer, de recevoir vos cailloux sur la tête. Nous l'avons emmené, nous l'avons fait tout le tour de Fa'a là-bas et enfin, ah, il a pu venir déjeuner à la maison et il était très content. Et nous avons tout fait pour qu'il oublie, mais vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai, ça, on connaît ce dicton. Alors, par exemple, Monsieur le Président, vous nous dites que la société Jiangmin va investir $1 milliard, c'est-à-dire 100 milliards. Mais de quels investissements il s'agit? De quels investissements il s'agit? Parce qu'il me semble qu'en ce qui nous concerne, on nous demande de mettre à leur disposition des biens fonciers, notre participation est bien précise, les concessions maritimes. Mais ces milliards que les Chinois vont emporter vont servir à quoi? Quel est l'objet de ces... c'est ce que l'on veut? On veut savoir. Là, on est dans l'obscurité la plus totale. Vous avez signé un document, là, on vous a vu à la télévision, vous embrassez avec les Chinois, là. On ne peut pas avoir ce document-là que vous avez signé. Pourquoi est-il caché? Pourquoi n'est-il pas rendu public? Pourquoi n'est-il pas transmis à la représentation populaire? Il y a des points obscurs partout. On a l'impression qu'on veut nous cacher certains points de ce dossier-là. Alors vous nous accusez, vous dites « oui, vous ne voulez pas sauver toutes ces personnes qui auront un emploi ». Mais qui a mis toutes ces 15 000 personnes au chômage aujourd'hui? C'est votre politique qui a fait que 15 000 travailleurs ont perdu leur emploi depuis 2004 jusqu'à nos jours. C'est votre politique qui a fait que 70 000 Polynésiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est votre politique qui fait que 71 000 Polynésiens sont maintenant ressortissants du RST. La pauvreté, la misère est établie, s'est installée chez nous depuis 2004, depuis que vous dirigez notre pays. Alors, excusez-nous. Nous avons quelques doutes donc sur votre efficacité et bien sûr que nous voulons que ce projet devienne notre projet. Nous sommes favorables. Mais donnez-nous tous ces renseignements-là dans un premier temps. Maruru, Maruru Maitei, Armel Mercero. Vous critiquez Ifremer
Mais ce sont vos amis socialistes qui dirigent les Frémer. Ça ne va plus avec eux, là, c'est plus... Alors, d'autre part, je voulais dire à mon ami Vito Matua, tout à l'heure, qui, bon, c'est comme ça, à la veille de chaque élection, on enfourche le cheval de bataille des expérimentations nucléaires. Vous avez soutenu les expérimentations nucléaires, etc. Mais, monsieur Mamadou, vous êtes bien content d'avaler les 18 milliards d'argent sale des essais nucléaires. Si vous étiez correct envers vous-même, refusez cet argent du nucléaire. Mais vous êtes bien content, là, hein, à la fin du mois, d'avaler ces fonds du nucléaire. Mais pire encore. Armel Merceron, vous avez la parole. Gaston Thompson, vous avez la parole. Yaouera. Marou Prigdini. Hey. Teyed Mano. Tatururai, tatatu, proprauda. Promoue, teira tereo. Ai teat portita rai hamatatura. Ai te tatoi portita ra. Maruru, tofa. Maruru, priktini. Maruru, e to tatu momono. Inuite ye irawa mata mo no tata to autira no te ye pepe proto no yoto me mere ai toto e hare ani tata to pore moni a no tra pa e te vera ti o te o to te o horani na ta do i tra pore moni brigitini tra rte ye te eta no fa o rte ye wa anora i ye ta do i te tu ye E api anei tatu yo. Ya wai drahi o rei rā moni. Ha mue mue hiara tatu. Nuri a tuito mātou mana. E ai tera proita o e whahutura te ye chwenua. Pene e pā. E horoa rai te hipa. Pene e pā. Ai te tiri a mea hi horoa hi ei tatu. Nā te tau parau mai. Turei tā mātou i ora, he rūno hui a te iehupa i te ineine. Te hape to ora tera mana, e tī rātou e aho eme i nei, hautu i tō tātou whenua, e tera hautu e whaahare wahi rapa. I te whaaya mai. I te whaaya mai. Ti muri pātātou paura atomi. Rutoi tahu i ora. Hapa e tu e wau, Pito. I muri patat paura atou mi ananhai. Nuria, hapa i nehe me peito hipai mua i tatu. Hipai nye nye. Ananhai u hamata. Tinyo no tatu i te apu. Tinyo no tatu i te apu i te imhana. Papu me te traparau. Me te pepoi eo ia mō. A ti tera whau a whaho tu iariro. Whatupura au hupai nei tō tātou whenua. Tera nei tō whenua nene? A te atu e whenua ar tu i te ao, whatupu pere ta taura. Mi te ate tirupunai whahepoi o tō ino tō pōe. Kepe hare a horono i nei tō e tāta. A te whenua ar tu i te ao? Tapone, Korea, Taiwan, Nguainitia, Timua e Patarato e Tartinto o Itetu. O Itetu. Pene e Paene te ietemoni, ta te petitemoni. Tera. Tapai hare aharono a Nyejo e te iete. Nga tupete na ora o tou e aite moni. Are meitiro te moni. Tēnēn he parawa hai te moni ti tauhi ar tui tō tātou pūte o ia. E anihia mai hoa te moni noro tui tō tātou pūte.
Aitara oi te o mo te parui ta ue maura. Te papa i mai te roi ni ho. Haru mai i hara tara ta ata. Riro oi te mau te auri. Oia, ai te pai oi te o mo te. Haru mai roto i te mato whenua i hara hara i mana muri tara ta. Riro oi te fifi. E ue te hia te fifi na muri rang mai. Herera, ua i te hia te tafifi a na muri mai. Oia, oia, oia. Te parou no arpa oi parou ta ohi ngaro re parou. He mea ni mo tama tama tara atomi to hoa. Oi te o ta u arora. Mi tu ha mata ra e ti purutita. To pa ha mata ra e tapo pa na muri ya u e har mai ta u i one era vai ai e. To u parou no ra ia o mea rai ta u ta puro hipo. Mea rai ta u ta puro hipo. Imit ait morau e ia fai at mo tama tama tara atu mi tu ti finu. Imit ait morau e at oia ti ama ti finu. E te ui vahau da oa, ti rara tu oi. Te mo rei a oa, te pro ro aita. Ta puro hi parhei roa e miti rava e tu e tu e hu rei da pai fatre rao to tato finu. Te mo rei a oa. Io ame ta oi fare rei ra. Te riga te mau tu murhei. Te riga te mau tu murhei ai tenen he. Ai tenen he e faa ore. Nawai hui, nawai fari. Nawai fari, te ie a te ture, e whanghoi prou tō tātora rai onei. Ua i te oi tō mātou mana. Ua i te papu oe, ua i te papu tō tātou nuna, ua i te papu te au wharani, te arora o tamatou, tamatou arora. Nawai e whari, ya mi te roi hapa aina ni poro atoumi. Nawai. Gastonflos. E ui, Gastonflos. E, na oto, na oto i whari, ya parhe mai trawhia, ya whae a wharani no te whenua, ia nene whaatiti no e tō tātou nuna. Tā uira ia o. Tō whā. Mārtu i te tūra, whari me o e wai te o. Tā ura uira ia o, te hia tra haruma o media. Te hia ro. Te praura o e, nā te e whaaterera. Whaatere mai, te marutāne i tō tātou whenua, te rura haruma o awai tēne. O oe, e toru ahuru mataiti. Te iwi rei o ia oa, te hia tra reira a miria. Iei manao, manao noa, to hoa, na oe pae tata imai. Hani o toa e ki tawiri tu muni a te nuna, manao na ehu e ora ora imai, tata to mo te iete, tu i te whenu. E? Te mo rei a oa, tamo mo te iti ane. Te mo rei a oa to i o, Monsieur Van Poussin. Ere? E rira pai te mo ohi pei tupuru tui tō tātou whenu, tā mai te iam hang. Hare tu, hare mai, narawai te amura ama. Pi muri pere kirikiri. Kikiri. Te rā tohi pei tupuru tui tō tātou whenu i tā tātou i te i whaitu. Mata heti, piti tau tini e ono. Pani mei pereti teni. Te maru i au hanina, hare no oi tātai e hi o oi hati ohi pei tupu nei. E te mau Pairawa ai, o ta o tu i poro i te whenua tinito. Hare tu roo, ai te whanhora, papu, ai te i te hie e ha te whaktu tano e te whaktu tano ore. Re tu roo i te whenua tinito, te i o, poro tu roo i tata uha e anuniu no oi te rata iete, kaparo no oi ratou e, o i te hane i ratou e wuhuri te whaatere arutu i tō mātou whenu. Parapara un aturana amane e o ite rato e Oscar te maru, periteni api. E in arora rato e wharerei te periteni. E ani vaharo e rato, o ite ane o toe o taui periteni o teiti nui rawa ai. E pahono meira e, o ite rato e o oe. Tape ara e te niu niu. Na ora e, i demand komia tu veu. De na ora e o oe, komia se veu koa? Ben l'argent. Ara o e hati e whanon hora. Mana a mimitiria pa i whanon hora i tare no ora ama i e te mei te mhan. Mana ora i amato e, o tau toa, mi te rat o o tau i whanon. Kao mi e tu e, te rat mo o hupai whaite pai tatu i pura mo. Te rat mo o hupai tupuru tu i tō tātou whenua, i tēa i tō tātou whenua in i te rawhaito. Nā nei au ahini aita, ahani ti a au moita hia. Te moni a te nuna, i tā tātou i tēio.
No tiri oi hapu voi pritin. Hapu pu mi te fatere auto tatu fino timan. Te tamata nei tatu e huri taere. Pro te feruli auto tatu nuna. Pro te imida afu fu artu tatu fino. Ya bai pro papai. Am oi frau Matheu tore. Marul pritin. Rumai te hiro te farere. Teni. Ani me geta po te rofo. Pritini o mahu nui na fatre hou. O fa. Tatou ta e te pute te hari rapa. Pritini tong song tatou ba anto te rofo i rai. Me auro te i e maror aparo. O tango te momon o ato e tuhi mai. Iau e hi o. Kia rātou tātou whiwhi, ai te pai tātou e apo nei te mau parau mei te o te tuhi o mei kiamata rā mei te e māro rāpara. Tō tātou peritini o mahi nui te whaheti rā te hupai tupure New York. Tā tātou i e te aturi nei e manuia o te ui hau no ananhai. I hau te hupai o te tupu no te e mota e tō tātou i te whenua taratoni. Ngāro tō o hea maruru tawana ure no te erupu tō Ōtera. Tōna horoar amai te taimau o hupa te tupu piso no i tātou, whawhiruri rei tātou e ai te pai tātou e nēn he paru hau te mhana e me pūri ai tātou te kanaka. O te mea wau tātou mātā mua e unai, e parau no te rāparu ai tuhi ngāro e parau hui e me pūri ai tātou te kanaka. O te mea rātou, trai e parau i whahitihi mei rau ene. O aro, o te heke toto, o hare New York, o hā mau te mōparu whā e muri, tēmei e ki e mhana, e i roto i te whahotu rā, o imi te tei mō whānho rā, e nā rātou e tia au te tā atoara o te mō whauwha, me te hamata rā tēro te teime o prehi ai no te tā atoara. O e maa hoi kera e hā atoara roto i tēni ke, ho e ru au nā tātou, o hare tō oi e roto i te rā whānho rā, pē horu maho e nāna, nā horu maiwa, nā te tinto. E riro bai te rā, e whahi o rai tātou, in e te opuara e rove rai tāu, in aroto e haa maruru te peretene o te whenua. Toi te ene o, koe te pauru o tātou, hare tātou in e te eterne, te o tātou i te move ato, he o tātou i te awhata teata, te i teira tātou, ere no te ene i te rā parau. Ko e miri a toruhanere miriioni nun a tata ati e tamo whenua tono tēnei o tara e poe pōia nei. Tātou, me ketau e ketau, wo ti aturi tātou namuoro ini e te CEP CEA. Toru o horu mot heiti pro rahi ame me ma. Toru o horu mot heiti pro rahi ame iha o toi hea pae paea. Ti aturi turu a tātou ini uitera whanora a porikita. Airport export. Ie export, import ramu, exportu. Tātai horo i tramon orto, ia pōsorie, te ie ie van ao Bernard Poirin. I parout hepeto mai meri anei, me tano te hupa e rovehi arei te e mhana, hare rtu i te e mo whenu ai e, tino me te fowha, no te tauturu rei tātou, whātupu i tātou, opere mai te tuei, te ta atoa. Te toru o te parau tāuhi ngāro e parau. Nāra tō pai kia rāmo o hupar hei e tupūra tā rāmo whiwhi. E te itera tātou e, te e nā pē miriooni kilometra tū e haatire tātou. Ahani pai tātou mi te rāra tau e topano mei te u mama. I wha fowwha te e u mama. Te e mhana, tātou te whenua mōniro anō tēnei o. Ea te uhipo te itehi e tātou pātō. Te atāra ui te mhana te pēpātou te anī. Uana nei te pērhei e te pretene o te whenu horo meina te mōparu āmāra marmara. Ngāro au e āmāruru i tō tātou tuahine a Sondra no te mei. Au ki rāra mō mateiti ua ngāro tō pārhei Sophie Depp te whārihi. Ngāro tō te hare Sokredo te whārihi. Ngāro tō hare Wharerata. Te whārihia. Ngāro tō hare CPS, te whārihia. No tēnei roa tātou, hare iei o. No tēnei roa tātou,
proud at the proud are you muhe atatu. Iroto it papature ot fenu. Teve nekra proud em hana débat d'orientation budgétaire. Marora pro not mo fanora fahotur afenu no anamai. E wite poru atatu. Maite matheiti piti tautini ohoru hamata e tatu. Te prau o te whātiti e whroa te tēr a whawai roto tiau whenu. Nā roto ia te mou hape o te rohe mo mateiti nā muat. Ti tohu ia tātou i he e patu wahau te mou praumu e te wahu. Kera prau nene he roa tātemo no pretene e praura. I he wahau nā te tīmā e arta i tātou. Nā te whawhara i te mou whawha natura. Te ore whahotu ia e whātere. Tō tātou wheruri rā. Opere mai te rai te e moni, te e whauwhano te taatoara. Ti o tatou te paturai te tei wherurira api, te e whanhora e tuhi o mere mui tatou. E te te aro nei au i te mou ta e tuahene no te paipatou. Paturu me oto, no te mea te mona o awa tau tapu, e mai te rai e mona o nga tui te tofa, aita te tahau e rā e patou nei. Te hin aro nei rā te tahau e rā, te mou haa maramara atoa. Nenhei a te pretene o te whenua e te pretene o te taho era, wharerei arawa, tūtu e te praurato i ana. Iotu e paitato e turu mau aneho e rato. E mon o tara, taurahin aro e proite e mhana. Traia prou fufuato o te tuaho hea mei tō tātou tawana no te era pūtu o tera. Iaune me pine pine voi te anino rai te rānira. Ia numera paitato, te reira e te whaito moni tauturu naruto chamamara atute. Ia ta te heu wharani, ta tatu, te heu whenua i horo, no te e mou onatiha atopatari te e whenua. Me huru rahei, rei e mou numere e tuhi e mai, e ahani pai tatu e tiroto tera wheruri rā, i mina tatu te te whanho rā api, trai e rawehi ara te heu whenua i te e mahan. Whatia whahau rā. Whātia whāhau rā, i tō tātou nūnā, ini e i te mea me arawihi o ia. Me arawihi tō tātou nūnā, ini e i te parau whāmu rā ia, te tauturu rā. Parau te heo te ērā, te parau te hapi rā e te opre rā i tramo i te roto i ana. I te teime e proparau e tō tātou pretene roto i te apo rā i Iarofa o. Kauiwihi a te mona o te teimo e wan anot whenua marite, in e te e peirarei. E ua parau te e marite. Tau te e marite. Au e o tau te ua awae. Tau o te ni mateidi to o tau whaatupuno ar ai te rahui. E ai ta o tau ere fauf ama a naruto i te miti. Naruto i te moana. Ani pa e oia i te e te emhana, ai te rahui o ahoi o tatu. Ore pa. Ki tohi ara tātou e hamau wahau hātere wahau tarahu. Meiti ro te momotu e whaharere tarahu. Te emhana. Nā tera rā i whaore tātou. Nā tera i whaite tātou e tō tātou mutupuna, tō tātou mometua. Tātou tera e tōere hapapūra e ti oto e tātou. Me arohini e tira tumuprau. E naroto te e whaaura e te e mou eivan ano te whenua tinto iau te irawau te ioia mei tātou. E tō tātou pretene. Nenhei e tātou e tia turi roto e te mou opuara. No anan hei, e whaiso whahu tātou te e mou api, opere mai te whahau. Nā wei e amu te e maa, trauira, nartot pretene tongsong. I te pau i tātou, i harera tātou tapihi o tara whauwha, te e nā miria, taruhanere milioni, nun a, e poera te pauia, i reire i te api te pamei e rutu i tātou awhata. E nenei a tātou e te aturi anan hei, i te e tātou e tuter hei te mō te e te e patu nei, whenua nei. No te mea, war hei te moni e topara, naruto te e whanora, ta tātou e te aturi nei e manuia. Mita te mō kanak e te aturi rarutoi nga whanora a emha, ta rātou e opuarei o rātou, e manuia rātou. Mi te pēpē te e te e te e ramet SLN, me pine pine u hare tara whenua taratoni. Ui te hua hua o tarato mo whanora, te mhana, tiro toto at SLN tira whanora, no te mea ui te uia. E aitatu e rao e artui ana, e te e te whrani ia, e whari a te e mohi pā i rohe ia, te e mouti a purikita. Ere, no kanaki. Tira te prou tahinyaro e prou tatu,
Te arorai tō tātou mō hoa. Maruru. No te pai atau e turu mai te e whanho rā. Fōwhu aro no tātou, e no te tātou rā. Te aroe arai. Maruru mai te mai rona. Te aoe. Maruru, Rick Denny. Yō rāna. Pātura mai, pātura mai. Aro e umua ai tō nei mana o e pahiti tu te tei tau pai tēnā o re peace and love. Tōna pa e aura te hau e te here, e te aropa. Awe hina aro re pro i tātou, a whatupu nā te rā me rutu i tātou. Te hi oropa o e rutu i tātou te rei rā, me ar hei tō tātou e te tō tintōna e rutu i tātou. I whāro nā ui tō tātou mamana o te tei teme, Nea teim hain e ke tinto, ie nā reira. Nea rei rātu i unei rāra te iam hana. Hamere te hapa matai ti tēnei ke tai rāmai te nuna a tinto i unei tātou. Me te me te hamana ora tātou i omua rā rātou cha rāmai unei par a titi. Cha re rāmai rātou i unei. E muri mai ua pārhei rō mai unei te e whenua tō tātou. E muri mai ua whānau mai rātou. Pano mai o tongso ma, o tongson ma, o lisan ma, o mataoa toa no te mea te wei toa ratou tōtō tintou toa. Ere, pātoa pā tātou, nea rei. Nuri a te prorupo oi tātou e ihana nā rira roa. No te mea, te ie whenua, te ie nūnā tāta, e nūnā tāta i te te pāhutu te fōwha. Ere, i rongo e mai rātou i te ria tāpura hupa. Iunei o tātou, ai ona, e atarei rātou e a kua hupa nei. Te pōwhai rato i tō tātou whenua. Te rei rā te mō imi rā pōwhai nei prātinto. Prāwhare tō a mea rei prātinto. Te mō tei a te atuai unei. No te a tātou e hapifi ei. E te parau te i te te tinto e haramei rei o tātou. Ai te rātou e haramei unei no te hamuni no ai rātou. No te haramei rei unei no te whahotu tōa ai te pōwha. No tātou atoa. E ianene atoa rātou e whahare te pōwha tā rātou e Yunei, me hare rātou i o rātou rātou, no te mea nūn arhi rātou. Te hare meira rātou i nei, no te whāmui, tei āne, te amatua, no te mea e oti a whenua rei tei e tō tātou. E pāmiri o ni kilometera tuea, e reit mea nei nei. Whenua rei. Nuri rā, prorowai tātou, prorowai tō mohoa i a tonso, tō te hao tonso a ne, li san mā oetua. Ia hoa e tātou. Ia tātou, e apoto noa oi tūmā, ia koe. Rā ia pro, tāi pro i tātou e. Peace and love, maruru. Maruru, Armel Merceron. Et que vous étiez misogyne, hein? Parce que depuis tout à l'heure, vous avez remarqué que vous laissez la parole qu'aux hommes, et moi, ça fait déjà une demi-heure que je lève le doigt et que vous ne me regardez pas. Voilà. Moi, je constate aussi que la manière dont vous gérez les débats est assez étonnante. Tout à l'heure, vous m'avez empêché d'aller jusqu'au bout. Et là, maintenant, vous laissez la logorée déborder sur toutes sortes de sujets. Hein. Deux poids, deux mesures, là aussi. Donc, je voudrais revenir sur le sujet technique. Hein. Tout à l'heure, Sandra Lévy-Agami, qui représente notre assemblée au conseil d'administration, a confirmé ce que je disais, à savoir que le dossier a été complètement traité en toute irrégularité par la SOFIDEP. Je pense que c'est vraiment un premier point. Hein, et on n'a pas respecté le règlement intérieur, et c'était déjà une faiblesse de votre dossier. Et je voudrais aussi répondre à M. Fribourg. Pour ce qui concerne Aranui, c'était une entreprise polynésienne qui a fait ses preuves et on savait très bien qu'on n'irait pas, et pendant longtemps, au-delà de l'investissement pour le bateau. Tandis que, et donc, c'est bien une moyenne entreprise polynésienne. Par contre, là, dans vos délires, on va arriver à 15 milliards. Il n'y a aucune comparaison possible. Donc, vous êtes de mauvaise foi. C'était ce que je voulais dire. Maruru Maitei, je voudrais vous préciser une chose, Madame Merceron. Lorsqu'il s'agit de la position des groupes, la conférence des présidents fixe le temps de parole des groupes. Pour les non-inscrits, vous aviez 10 minutes pour tous les non-inscrits. Donc, Monsieur le maire de Taïra Pouès a parlé 5 minutes. Il vous restait 5 minutes pour combler les 10.
et vous avez dépassé les minutes qui vous étaient accordées. Quand il s'agit, retournez-vous et regardez-moi. Quand il s'agit des discussions sur les articles, le temps est laissé à la discrétion du président. Et quand le président juge la discussion suffisamment avancée et sereine, on passe au vote. Il reste une intervention, Madame Françoise Tama. Ensuite, le gouvernement répondra et on passera au vote. Françoise Tama, Tiawera. Yorana tatu pato iti pepe. Aruru prediteni. Aruru tiatu ato tatu farerira iti pepe. Tatu pato. Tau prau matamua, te ye ya prau oo. Tatu prediteni hor omoine ye. Te o rato tatu prau. E te tua tapapara a te hau amui. Nā te rā, e tātara te whiwhi, tā te e whenua, e whāruru nōne. O oi hoa, a te rā, e oi papūrai. Te puritite ana tainuhi ana re te tō tātou whenua, e i hā tō tātou whenua i a hotu. Ia vai no mai te hau whrani i nei, ia tāparu noa tātou i ana, ia vai noa tātou i re te rā whare auri, whare auri. Te e mhana o papu tātou, te roto tātou i whare auri. He tu ahuru tau atini, hei tu ahuru atira tō tātou, i roto i te e awhatau te era. E wira o i tātou. E hāto nā ura. E te amuamu noara o tō, te whahape noara o tō i whātere rau te whenua. Ai te ohipa mai te ei. Ai te horo ahi ara te ohipa. E mauhuru tō ara prau, tāna ore. Nā o tau tō tātou whenua i arata i mei, toru ahuru mateiti. E hā tō pe ara au te iemhana, hei tū ahuru tau atini hei rahu i rātira tō tātou, te roto te e awhata vewe. Nā o tau, e reno te e nei, ia tanuna e hoi tū murāhu, e tūna e tupu te te are hoi mateiti, e tupu o nā te te are toru ahuru mateiti. Te rā ia. Te awai mene i tō tātou whātere rāt whenua i te oe ōpua rāwha hotu i tō tātou whenua. Tā au tātara rā i rito i te e mō mono, te peo atau. Te pui tēnō te whenua whanani, whāra o moina. Tā au tātara rā, te e poro rā porititā te e whaia te peo atau. Whāro rō tātou i alu reali te praura. Nō te mea ua onono pai oe tō whai ani āna e. E hātura te ture mai tira, e tauhi āne. Mā tei te noa tō avo, ki a oe te parau paraura. E hata nei pahono mai i tōna re wāna i a oe. Aita, te rito tātou i te puritita. Te ie whāhau tūra i arata i rā pōtita. Ai? Nā o mene lūreali a oe e, oi te mei te oe hata hepe tupu. O oe so, tō oe whāhuru e rā te ture mai tira. Hā te urahatara paru. Pahono tō mai ne ona e, e hio ona e hā te vaira o te maitira te e maitira e tupu mai. Nō te hā ona proporo e mitra. Aita te uwharani in arore, e hotu te e whenua. E nā wai e turu rei ana. Nā o tō. Nā o tō. Te e pai une, te e nāro nei wha hotu te e whenua. Tā tara te mai o te e whenua. Tā o tō i hātupu. Tātara te mai te e whenua. Tō e nā hoa te mai. Tāo i horo aino te whenua. He tū ahuru tau atini rei rahu i rātira tō tātou, te roto i te awhatau vewe. Te e te tei opuar a whau whāroa no tātou, no tō tātou whenua. Whā ino moi o tō i te teina, whā ino moi o tō i te mea, te rā noa tātou poritita, whā ino. Wō ino roa i tō tātou whenua i au tō. Wei, te arhoa te whenua, e? Maruru. Te rā, prediteni, tau ie i manohi nāro oe. Te o te ie tāpā o rātou tātou whenua i tau āmui. Maruru mai te hei, te whahoi rau te tōtere rā. Pahotu tō tātou whenua. Maruru, te rā mai. Ie, whebo. Padre, hei te au era.
Je vais répondre aux interrogations. Ah, c'est dommage. Chaque fois que je dois répondre, Armelle n'est pas là. Je crois qu'elle confond la procédure. Le conseil d'administration de la SOFIDEP est obligatoirement dans la position où il demande l'accord de l'autorité, c'est-à-dire l'Assemblée. Il ne faut pas inverser les choses. Pas que le conseil d'administration dise oui. Non. La question qui a été posée au conseil d'administration, voilà un sujet. Réponse du conseil, nous devons obtenir la décision de l'Assemblée, car vous êtes l'autorité délibérante sur la construction de la SOFIDEP. Le conseil d'administration met en application vos décisions. Alors on me dit aujourd'hui, mais le dossier, je dis, on ne va pas étudier un dossier, vous ne les avez pas autorisés. Reprenons les procédures en la matière. Je crois que c'est très clair. On s'y concerne cela. Ensuite, les interrogations. Mais qui c'est cette société? Qui sont ses actionnaires? Et bien sûr que nous avons pris nos précautions. Et bien sûr, j'ai ici tous les documents en chinois. Je ne sais pas lire le chinois encore. Jiming Fishery, effectivement créé en 2012. C'est le CABIS. C'est la déclaration au titre de la Chambre de commerce de Hong Kong. Mais bien sûr que j'ai demandé, je veux connaître exactement le relationnel. Ensuite, nous avons le fonds d'investissement, le fameux fonds d'investissement. Là aussi, c'est en chinois. J'ai essayé d'apprendre dans la nuit, mais je n'arrive pas à prononcer. Ça, c'est le fonds d'investissement. Rassurez-vous. Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas suffisant. Je les connais, ceux de l'Assemblée. Je veux un engagement formel. L'engagement que j'ai obtenu, et là j'ai demandé également, c'est un certificat en chinois. J'ai demandé la traduction exacte. Voici ce qui est dit. Au titre de Changjin Investment Fund, c'est-à-dire le fonds d'investissement, nous déclarons que les fonds nécessaires pour votre projet de coopération d'exploitation des ressources marines en Polynésie française seront alloués par notre fonds d'investissement. C'est l'engagement du conseil d'administration du fonds d'investissement. Donc, à destination du soutien du projet qui sera monté au titre de la SAS. Alors, je me suis dit, je vous connais, vous êtes sceptique, vous trouverez tout pour éviter le débat. Enfin, je vais en finir pour clarifier les positions de chacun, les situations. Vous permettez, si vous ne voulez pas que je vous réponde, on passe au vote. Voilà. Dans le MOU, il est indiqué. Jimin Investissement, fondé spécifiquement pour démarrer et mettre efficacement en œuvre le projet de coopération halieutique avec la Polynésie et enregistré et domicilié à Hong Kong. Tous les actionnaires de Jimin Investissement sont membres du conseil d'administration de Changjin Fund Management. Là, voilà l'organisation et la liaison. Bien entendu qu'ils ont créé une société spécifique au développement du projet ici. Ils sont eux-mêmes membres du conseil d'administration de ce fonds de développement. Voilà comment s'organise la situation. Et moi, je remercie le président Oscar Manukai Temaru d'avoir exigé de 51% polynésiens. C'est la première fois qu'on fait. Maintenant, je m'aperçois qu'il y a un autre projet. Faire venir l'Ifremer à la place de la SOFIDEP. Je ne sais pas si c'est la compétence de l'Assemblée de décider que l'Ifremer aille investir là ou là. Je vis dans le projet, je ne sais pas. Franchement, là. Ce qui est clair, c'est que nous avons pris nos assurances sur la Constitution, et notamment les liens qu'il peut y avoir, et nous avons obtenu ces engagements. C'est à ce titre que nous vous posons la question, est-ce qu'on peut autoriser la SOFIDEP à le faire? Mais quand viendra le temps de la décision de la mise en œuvre, je vais exiger davantage de pièces. Mais si vous nous dites non, ben moi je m'arrête là. Mais je savais que le sujet allait venir là-dessus. C'est donc pour cela que nous avons recherché la sécurité juridique de ces sociétés, l'existence réelle et notamment la capacité réelle à apporter les financements. Ce sont les documents que je vous ai donc montrés. Et par rapport au MOU, on est tout à fait en cadre. La première question qui vous est posée, autorisez-vous la SOFIDEP à modifier son cadre d'intervention? Ensuite, allez-vous autoriser la SOFIDEP à participer à 2% pour justement rester dans le cadre de la SAS 2%?
à la Sofidev 49% au pays, de sorte que c'est 51% aux Polynésiens. Monsieur le Président, les éléments que je voulais apporter. Te fari a fait tirimanien. Toru horu maho ereo shari, fait patoi. Piti a horu e mam hario patoi. Wamanat irava matamo, irava numra piti. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Maruru maitei te maiti ratatu. Koe maiti ra. Ua mana. Te tato ara o tatato upuara. Koe maiti ra. Ua mana. Maruru maitei. Ua tatato e tiopea o te etumu prau matamoa. Te mea ua hamatari tato e tipoia. Hare tato e tama. Hermei tiorapiti. Maruru maitei. Yorana. Tenia tato i te piti o te tapura hupa no te ienei mhana. Mau tira te tapura hupa numara hitu piti tau tini ahuru e maturu. E te aninei au i to tato awhaiwhai prau. Ia teroro tāne veine. Ia tei o mai ta tato tapura hupa. Teroro te auera. Teruna, teroro, a te miti. No to uhere i to tato depute wharani, te hororo i prokuro raiana. Re pritteni e te moruru uite oe te fanhone i te far o mhana hitu i tarato farreit arhei i ruto i to oe uire i hiti Aotera e hamata i te hei horono mon au ti tau manihini i a patato pouro mea tōrato te i e na whet para papa tō rātou upo o te ie, nō te via whāro. Tā anō e nārora e ni a oe e hata oe whaanhor a no tā tātou tārena o hipa. Maruru, o proporo mā ua pretitini o taho e rahu i ratira, pretitini pupu. E tamata tātou i te tā oti e i tā tātou proporo, nō te vehi ora i te tātā e hina arore hare papeno, hare papeno. Ia oe paroma e to u oire, ere, oire no upo peno, te hiti a oe te tiara. E tau mai teira, taho e rā trahe arata e rei a papeno, e rei o iamana te nuna. E, whai tui tō tātou, noria e tei or ahia tei e iuti rahoa, hapono mai prou maiti. E wārei tō prou, e Ferno, Romataro. E mana opoto no, no tātā i rā te ie mana oto te tepite prou maira, e te hamatai tō rauno, horahitu he hamatai. Narira, e hare rō hawaia tātou e ho rauno e te awha. Ai te tahi a oi tere haware rea tatu i te te mai ta, e ta oti ahia, e ta oti ahia. Whātura atu mou tātahi nā rore hare papeno. Maruru mai te.
E matai te me to te papeno trafare ie na borobora. Ere na papeno na mea ati oporinetia. Na ratu trafare ie. Hare o te raro ai fare a ati oporinetia. Maruru mai te. Ani ne yau yau e te roro tai o mai. Alors, par lettre numéro 559-PR du 24 janvier 2013, le président de la Polynésie française a transmis au fait d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération relative à un accord préalable de prise de participation de 2% de la Société de financement du développement de la Polynésie française dans le capital social de la société par action simplifiée Aquacol dénommée Titinui Jinmin Ocean Farm. Il est envisagé que la SOFIDEP prenne une participation de 2% dans le capital social de la SAS Aquacol Titinui Jinmin Ocean Farm. Globalement, le projet peut être défini ainsi qu'il suit. La création de la SAS Aquacol Titinui Jinmin Ocean Farm formalisera la réalisation de la joint venture entre le pays et la société Jinmin Investment basé à Hong Kong. À cet effet, le pays propose à la SOFIDEP une prise de participation au capital de cette nouvelle société. Objectif de la société, création en Polynésie française d'une vitrine internationale de l'aquaculture, développement de l'ensemble de la filière, du centre de formation et de recherche appliquée, écloserie, ferme, tour à glace, fabrique d'aliments. D'une part, Jinmin Investment apporte le cash flow, la technicité aquacole, ainsi que le réseau d'experts et le marché. Et d'autre part, le pays apporte les emprises foncières et maritimes, les ressources et les infrastructures. Description du projet. Mise en place d'un centre aquacole modèle et innovant en matière de respect de l'environnement. Traitement des eaux usées, des déchets, utilisation de l'énergie photovoltaïque, système de surveillance de la qualité des eaux et des normes locales et internationales. Le choix des espèces de poissons, coquillages ou crustacés retenus pour l'aquaculture se portera sur des produits à haute valeur ajoutée, positionnés sur un marché de luxe et faisant référence à la pureté des eaux polynésiennes. Ces perspectives de déboucher sur le marché international constituent une réelle opportunité pour le pays eu égard à l'importance des coûts de production et d'acheminement qui grèvent nos produits à l'export. Structuration de la société. La société sera dénommée Titinui Jinmin Ocean Farm sous la forme juridique d'une société anonyme par action simplifiée. Le siège social sera basé à Papeete, et aura pour objet toute étude et opération relative au développement de l'aquaculture en Polynésie française et plus généralement toute activité en relation avec les ressources maritimes et l'exploitation des produits de la mer. Le capital de départ sera de 15 millions. Celui-ci devra être porté à 2 milliards. 50 millions, excusez-moi. Et celui-ci devra être porté à 2 milliards par décision collective des actionnaires. Le schéma de financement prévoit un actionnariat de 49% pour le pays, 2% pour la SOFIDEP et 49% pour la société Jinmin Investment. Le conseil d'administration sera composé de 7 membres, dont 3 pour le pays, 1 pour la SOFIDEP et 3 pour Jinmin Investment. On observera que les règles qui régissent les sociétés anonymes par action simplifiée prévoient que les décisions d'Assemblée générale sont prises proportionnellement à l'actionnariat. Le président de la SAS sera nommé par l'Assemblée générale sur proposition du pays, tandis que le directeur général sera nommé sur proposition du Jinmin Investment et le directeur financier sera désigné par le directeur général. L'augmentation de capital s'effectuera par l'apport en capital du pays dans la SAS, par apport en nature, pour un montant de 968 250 000. Cependant, s'agissant d'un apport en jouissance, sans transfert de propriété, la décote est d'environ 30 %,
Le montant des emprises à valoriser se monte donc à 1 256 725 000. La Sofidep devra quant à elle apporter 40 millions en numéraire. Les emprises foncières doivent être identifiées et valorisées en commission des évaluations immobilières. Une première CEI dédiée s'est d'ailleurs tenue le 3 janvier dernier. En signe de bonne volonté, les dirigeants du Jinmin Investment acceptent de céder à titre gracieux 1% de leur capital au pays. Compte tenu du statut juridique de SEM de la Sofidep, il est apparu nécessaire que notre Assemblée, qui l'a créée, se prononce préalablement par délibération sur l'extension de son objet social et sur la prise de participation envisagée. L'accord exprès de la collectivité pour la prise de participation de la Sofidep au capital de la SAS Aquacol. Du point de vue de l'intervention de la SAML Sofidep dans une société commerciale, suivant la loi numéro 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, article 8, toute participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leur groupement actionnaire disposant d'un siège au conseil d'administration. L'article 1er des statuts de la Sofidep indique que il est formé entre les propriétaires d'actions ci après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement une société anonyme régie par les présents statuts et les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés. L'activité des sociétés s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur, sauf exception expresse formulée par la loi ou le règlement. La Sofidep ne peut donc s'exonérer en partie ou totalement de l'application de la loi de 1983. Dès lors, pour permettre une décision définitive du conseil d'administration de la Sofidep sur cette prise de participation susceptible d'augmenter ses charges, l'accord de la collectivité est demandé. Elle est donc l'objet du projet de délibération ci-joint que nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Maruru maitahe, irotei te rurura atmo priti tini pupu wa fataf ahuhia pe ahuru miniti no tatatu proprau, hoi ahuru miniti nani eit pupu tataithe, i te mea rau wa proprau e na tatu i te ipipu, e te pae fufa e tahana ho ahu, a oia, oia, a te ia o te irau aitara proprau i te ipipu, tahana ho ahu, arira, tahanan eia, tahanan eia, te aninei au i te tia o te pupu taho e rahu i ratira, ia fai te mei tōna mano, i rutu i tra rea hoa e auru miniti, aruru mai te. Maruru Peritini, non, on va pas être aussi long que ce matin. Au lieu de 15, j'en prendrai 12. Non, Monsieur le Président, comme vous le savez, sur cette délibération de notre Assemblée, nous avons déposé un amendement. Car nous estimons en effet que, compte tenu de la spécificité de cet investissement, hein, nous allons apparemment investir dans l'aquaculture, nous vous proposons de substituer la Sofidep à un autre organisme, et en l'occurrence l'IFREMER, qui est un organisme qui est installé dans le pays, qui connaît bien le milieu marin polynésien, qui a fait des expériences dont certains effets sont exploités aujourd'hui par le pays, je pense plus particulièrement à l'élevage de poissons. Je ne parle pas des expériences et des recherches qui sont faites au niveau de la pelliculture, puisque, comme vous le savez, l'IFREMER a été beaucoup sollicité par le pays. Néanmoins, ici, dans cette délibération, nous souhaiterions avoir quelques réponses, malgré tout, à des questions qui se posent.
D'abord, sur cette notion de vitrine internationale de l'aquaculture. Bon, nous avions un produit qui aurait pu en effet être un produit exceptionnel, puisque nous étions et nous sommes toujours pratiquement les seuls producteurs au monde. Il s'agit de la perle noire, on en parlera un peu plus tard. Là, je pense en effet qu'on peut, parler d'une expérience exceptionnelle sur un produit exceptionnel et sur lequel produit la Polynésie aurait pu montrer toute son expertise et sa technique. Ici, on nous parle d'une vitrine internationale sur des produits dont on n'a toujours pas connaissance. On nous dit en effet que on va s'orienter vers la production de certains produits à haute valeur ajoutée. Il faudrait peut-être que l'on ait un peu plus de précision sur le choix qui a été fait. Car, comme l'a dit ce matin, nous ne savons déjà pas où va s'installer, en fin de compte, où vont s'installer. Il s'agit des centres de recherche, des centres d'exploitation. Le choix n'est toujours pas fait. Maintenant, vous nous parlez, dans ce rapport, vous nous parlez en effet des produits qui vont être positionnés sur un marché de luxe, faisant référence à la pureté des eaux polynésiennes, bon, lesquelles eaux pourtant, depuis quelque temps, vous n'arrêtez pas d'affirmer qu'elles sont complètement polluées par les essais nucléaires. Mais enfin, ça va peut-être créer des poissons, ça va nous mettre au monde des petits poissons aux yeux brillants, n'est-ce pas? Avec tout le rayonnement nucléaire qu'il y a pas loin de Hao, si c'est à Hao, voilà. On a besoin malgré tout d'un peu plus de précision. Ce matin, nous vous l'avons dit, nous ne sommes pas opposés au projet tel qu'il est présenté, parce que je crois que c'est en effet, nous sommes tous d'accord, il nous faut aujourd'hui créer une économie qui soit une économie productive, hein, sur laquelle on peut créer des emplois, mais il faut quand même aussi préciser des choses pour que vous puissiez apporter notre adhésion. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, nous allons voir aussi une des remises au point qui va être fait au niveau du collectif budgétaire. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de ces terres que nous allons apporter au capital de la société? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va mettre dans la balance pour atteindre le 1,258,725,000 francs pour, d'ici la fin mars, concrétiser notre apport au capital de cette société? Et puis, question récurrente depuis ce matin, que vont apporter ces investisseurs en numéraire et dans quoi vont-ils investir pour pouvoir, disons, apporter leur poids dans la balance? Aujourd'hui, et tel que le dossier nous est présenté, ce qui est certain, ce sont les engagements du pays. On sait ce que nous apportons dans la balance, mais par contre, on se pose toujours des questions de savoir qu'est-ce que ces gens-là vont nous apporter pour que cet investissement soit productif pour nous. Là, produire quelque chose, produire des emplois, produire de la richesse. Tratmo mea
Aite matara mai erer tu ite ie e tawara proita ta tu ite pepe. No atu we te wa ite mera tu atere hau. Te ra mu parau whata heo mai nara tu ite reo tinto. Nara tu hoa heo mani te ra parau. Ani ra na tu tu e tiamana no tra whenua heo mani me ti ria parau na tu e whare moni. A e hurumaru ria bhaid mana. E parau na me hoa ta te e moni ta. Te vera ta umun. E na hoa oe ne ten he ti aturi diri atata. Hanira na whare muni, na tana whare muni paro mai a oe. Ai, e ne ti aturi turi te rata iete. E muni hoa tana. Na te vera ta muni ti tana ahota. Noria, pene ampa. E rito I te ahi ora. No te mea, e obutat o te ie no ratou. Non te arero mai parhai ta moi ni to ta tu finua. Hai di hora pro no tra ta ura ta ta. Te vei o hora ni to ta tu finua, te vei to ara. Pini pini apa te to 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 ta tu pini te ni. Non te me a e ni tra na to na io a te vei to ara di te io. Non te pro ie nai. Meri dire huru mo tinto. Fargo era tu jora tu fue no no churu fa tere ra itera ta era tu tere hare mai ra ora tu tere hare mai ra ta tu bhai ya te horo ana nai e ora bro ra brigiti ni ha e ya no me vivi no ta tu te ye para e ye ta no noria ara mai tai Tēri te apai o tōho e oputa. Ia matara tā oputa, ai I te roa ai tāpiri te oputa. I te mau aha. Noria e arama I te ia tātō e o awano I te rā mō me anana no hia mai. Ane te mata pō ai te moni. Ene nā o te raparau, ene nā o tō? Ape ape nei te ipunutu. Ore ara mai te. Ia tara pro inu inu I otau. Nori a zbrik tini, ai te atma mai tu ati roara. Ai te are o papur tino moni, ai te re tahi ato I pai rau. Pahi tini ome e rohi ai tera, rohi ai tera, rohi ai tera. Anan hai. Ai te rau ai hare roi te pete haruma pai rau te mata, ai te anhai pai pai. Nā he te amata. I e amata ai. E whea tātai ori tui te hupa. Te ria noa, te horo amai. Anā nei pēpēi. Ie ti ei e te hope amata, he te wotia tātātou mai tira. Wotia. Tarai atu piriki tini, noria. I tēnu atua tātou I te emunumara, e me tarai no tua atanin tōra I tō tātou pō. Te mea papūra. Aja tato e tae, tihia tato I tu eira. E tawhiti o haura o I te umana. Ani pa. Pa tawhiti I tato whare moni tu umeri tu I te wanhora. E o pa I tarata e te sofi de apititi. E je tato e pare I ti ra I te moni, ma I ti ra I te moni. E rano I te moni po eno moera, wahui pa I tera moni. Tu I tato whare moni. I api, tato te wano I te api. A rome mai tera api, horo atu na te enun ariri. O te tauturu rai ana iru tui tōna ora rā I te mamahana ato. Maruru pēki tēni. Maruru mai te ei, e te aninei e I te mautia ai te tārato e pupu. Mano ane tō rato, Armel Mesuram, te a oera. Oui, je continue ce que j'ai pas terminé ce matin. Il est certain que la politique chinoise de pénétration politique et économique du Pacifique est une évidence. Et face à cela, nous sommes vraiment un nain politique et économique face à un géant. Et la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si nous sommes des partenaires égaux. Ce matin, par exemple, je relisais le compte-rendu de la commission et je notais que le ministre en charge de la mer a reconnu
en commission donc les échecs en termes de développement durable pour les petits pays accueillant qui ont accueilli des investissements chinois du même type dans le Pacifique. Et il disait, mais nous, on va être à l'abri de cela. Mais dans les documents que vous nous avez donnés, rien ne prouve qu'on sera à l'abri d'une mésaventure écologique et économique. Et je réitère ce que d'autres ont dit, mais donnez-nous l'accord que vous avez entre les mains. Dites-nous où vous en êtes de vos études. Et là, on pourra, avec un peu plus de transparence, peut-être commencer à vous croire. C'est toujours sur la base de quelques généralités. Hein, c'est une page d'un hebdomadaire de La Place qui apporte les informations. Donc, sur la base de quelques généralités que l'on trouve aussi par bribes dans le rapport de présentation, vous voulez nous engager dans un montage qui représente 1,5 milliard de dollars, c'est ce que disait le président de la Polynésie française ce matin, sur 15 ans, 22,5 milliards. En plus de ça, comme l'ont dit mes collègues, on mettrait à disposition des biens du patrimoine polynésien d'une valeur de plus d'1,2 milliard de nos francs. On est à 3 mois du moment où vous devez exécuter cet apport. Donc vous êtes capable de nous dire quelles sont les terres, quels sont les biens du patrimoine polynésien que vous comptez remettre dans les mains de cette société ? Ou vous ne le savez pas et ce n'est pas sérieux, ou vous le savez et vous êtes malhonnête parce que vous ne nous donnez pas l'information dont nous avons besoin. Je prends maintenant l'obligation d'apport du partenaire. Alors on nous dit qu'il va apporter la même somme, 968 millions plus exactement, en cash flow et en technologie. Mais il n'y a pas d'apport plus difficile à évaluer que cela. Donc dites-nous comment vous allez, sur quelle base vous allez faire cette évaluation. Et là, franchement, nous nous tairons. Vous cachez cela, c'est douteux, absolument douteux. Autre question, quelle garantie avons-nous du savoir-faire de ces investisseurs qui ont créé leur société il y a quelques mois? Est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience dans l'aquaculture de pointe? Si vous me dites oui, vous m'apportez les preuves, je me tairai. Pour un projet qui n'est même pas traduit, comme je le disais ce matin, en termes d'investissement chiffré, de business plan, de choix technologiques et de produits, on ne sait même pas encore quel poisson ils vont choisir. Franchement, ce n'est pas sérieux. Par contre, vous vous liez les mains dans un contrat de commercialisation qui va donner un droit de distribution exclusive à Jigmin Investissement. Vous savez ce que ça veut dire, un droit de distribution exclusive? Ça veut dire qu'il va avoir le monopole pour acheter les produits, pour les vendre où il voudra. Et forcément, quand vous donnez par contrat un monopole de distribution exclusive à quelqu'un, vous lui laissez toute liberté pour fixer les prix et les conditions d'achat aux producteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque vous dites vous-même que le coût de production en Polynésie est élevé. Eh bien, il va acheter le moins cher possible pour pouvoir compenser les coûts de production et les coûts de transport et avoir un prix qui devrait pouvoir rester compétitif pour les riches chinois, puisque le but, c'est le marché du luxe. Franchement, c'est les menottes que vous vous mettez aux mains avec cet accord-là. On en reparlera si vous arrivez à le mettre en route, vous verrez. Autre question. Pourquoi avoir choisi de créer une société anonyme simplifiée? La seule que je connaisse dans le domaine public, c'est Aveia. Bon, franchement, c'est une société qui fonctionne aujourd'hui encore uniquement à 100% d'oxygène public. Une SAS, c'est justement une société anonyme simplifiée parce que son organisation est adaptée au monde des affaires privées, de ceux qui risquent leur argent, pour laisser un maximum de souplesse et de liberté pour décider. Un maximum de souplesse pour décider en toute liberté, en grande liberté. Alors vous me direz, mais non, la Polynésie française va nommer le président du conseil d'administration. Mon œil, ça va être une présidence honorifique, il va toujours y avoir quelqu'un
pour dire, allez, moi je prends cette présidence et je serai très fier. Ça sera un roi sans pouvoir, parce que ceux qui auront les pouvoirs, ce sont les réels dirigeants. Et vous ne pouvez pas me raconter le contraire. C'est-à-dire, le directeur général, qui sera forcément partenaire chinois, et le directeur financier, qui sont nommés par les investisseurs chinois. C'est eux qui auront les manettes. Là, à mon avis, vous vous faites avoir. Donc, franchement, je pense que vous êtes amateur dans cette affaire, ou que vous êtes tellement guidé par les perspectives électorales dans quelques semaines que vous nous entraînez vers quelque chose qui est très dangereux. Et je répète, joint aventure. Merci. Maru, aita te faro neo totato mono eu e io ne oi tato poto poto totato mono guarda i mai tra to mote di mi tau te pro te pe pe vota ho te mai i te faira te nu fa ho tana mo hipa vo fa ho i mai te motu ho mi rei te hipa tata to i te io e te tau ara manu rewa e tau ara manu rewa ra raia Ma oe e ua tēro ki teimei, wu whānau tau mei tāna mūwhia whātere tāra tau, mū teie te ngāro hare hā mau tāra tau teie te i whenua hō, ei te rātou e whāutuhia, nuni hoa mō tūte e hātu, e weirohia ho e teimei mataiti e pae mataiti pa, no te aratai rā tāra tau ohipo. A teie mahala te whānau hea rati tei ohipo pāpū, te haro pane o te e peritini teito, e ia tātou e matapō, teie ohipo, Paturu papu, no te. Warau mai te whenua ti te tapu whenua I weira o. Nā oe whānau tra whānau. Te mana wo mau te pua te hau whenua. No te arau e ti frema. Wo mau tā pu tā whenua. Wo tu me whenua tāna moni roto tāna upuara. E te I upuara hapatara ia ki weira o. Ia tātou e amu moia tātou. Te weira tātou mu whea e arawihi. Tēnei rā. E chapata rai ga tio ha nuria vehio pai ti aturi mai ni ho te hipa era vehi ara ha te hipa I foi rawe mo tava na hari bol te ui api te vera te hipa ni ho te paturura mai taitra te veira ya te proporo rao por mo ni re man piti man po me man toru tere are fare re tata fara te hipa mai tai atai te piti No ni o te ie, tau ara aprau te epepei, e tu ni ne ie aprau, no te mea o tapuhia ta tātou hipoana te pretini a tātou I tamā. No ni o ia te ie aprau api, no te paparaura, no te tua tapapara e o tapurehi a tātou. Iauhi o hipo mai teiro, no te mea apiti hope tomo tēnei, Waroa me I au te perititeni o te whenua taratoni, o ia I Aror Martin, o tautoi mātou moitei. E ua praparau māo nani o tskai. Tēnā ora tono parau I au, e hi o e trawea te toru ohuru no atete, piti tautini ohuru mapiti, I taratoni. Te parau rau oru tō trawea, e wuhi o te wea, te I e te parau o tāna parau. Ni ohi e te parau te epepe tāu parau, aspe politik. Le nouvel du 30 août 2012, Harold Martin, président du gouvernement de la Polynésie française, Calédonie et maire de Païta. De conviction autonomiste, il dit bien, nous y sommes depuis 1986 inscrits à l'ONU. Et je considère aujourd'hui que d'être sur cette liste est un avantage, notamment parce qu'il y a des règles très précises pour accéder à l'indépendance. C'est-à-dire pour nous et pour moi, en particulier qui suis opposé à l'indépendance, Opposé, eh bien, je trouve que c'est bien. Sur cette liste, parce qu'il y a des grandes nations qui surveillent et il faut remplir les critères. Le premier des critères, c'est qu'une majorité de la population doit donner son accord pour l'indépendance. Mais lisez les journaux. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hey, attention.
Nuria o proue e hata na prou. No tia te e mo Canadia. Pra peretita. Investi e finua taratoni. No tia. No tia rato investi e. No tme o matara. O matara. Nuria o matara. O matara te mo fea. Me ma uto wa e ti ru me e toto pro pro wa. Pro pro. C'est pas le sol. Pas du tout. Non. Respectez le temps de parole. Hein? J'ai dit ce matin, les étrangers, les Brésiliens, les Canadiens. Hein? Non, j'ai le temps des Iliens. Les Iliens m'ont donné le temps, 10 minutes. Non, j'ai 15 minutes. J'ai 15 minutes. Non, hé. Hey. Arrêtez de jouer du violon, là, les gars. Hein? Voilà. Non, il faut respecter. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Concrètement. Hey. Alors, non, on n'est pas en campagne. C'est les affaires de l'Assemblée. C'est les affaires de l'Assemblée. Alors, hey. Les médias sont là. Hey. Respect. Les médias sont là. Je ne suis pas candidat à l'Assemblée. Écoutez bien ce que je dis. Je ne suis pas candidat à l'Assemblée aux prochaines élections. Je ne suis pas candidat. Je vais sur aucune liste. Voilà. C'est dit. Je ne suis pas candidat. Mais je suis maire d'une commune. Je suis maire d'une commune. Il y a des jeunes. Oui, oui. Eh bien alors, et moi, tu crois que c'est pas mon souci? Tu crois que c'est pas mon souci aussi, ma population? 7200 habitants? C'est quoi la dernière parole? La conclusion de Harold Martin, c'est quoi? Il était obligé de donner un quota de travailleurs étrangers parce qu'il n'y a plus assez de main-d'œuvre en Calédonie. Il a fait venir des Philippins, des Australiens. Hein? Est-ce que tu es resté en Calédonie? Moi, je suis resté en Calédonie, j'ai vécu en Calédonie. J'ai vécu en Calédonie. Deux ans, fire out Tratoni. Fighting at promo, really, auto? Promo, boy. You had a ring nuna, nanai. You had a ring nuna. Prétendez, il va, oui, oui, pareil, majorité, tout a été eu par Tinto et moi. L'inéti a tout dit, héros a eu par un an. Tra. Alors, moi, c'est pour moi, tiro de yao, vito. Marou, moi, c'est Prétendez. Ya, merou, tata, tout à l'heure, pour être, et y a voté année. A tu été, ha, te m'a hâte fait aller, hein? Et va, rôte, la voie de tia. Aja, ahoy ayo tatu, ahoy ayo tatu. Berarti ni, faro itu mana titi atau tahu era, mikirura te paturu mai. Faro mai itu mana to tatu deputé, maruru mai te deputé, te paturu mai dari te fanon horata tatu, tiang ni dera, te muka amar, fater auto tatu finu, metiayhua to tatu tiara yoni. Maruru mai te ira, te mea te matarara te uputau te maramarama. Paturu iti ihupan te mea aitatu hoa, aitatu e whanon hora, rutu ito tatu whinu. Teia, apiti e mana o tō tatu te peritini te hito Tongsan. Tēnā ora e te tatarara pa aitatu iti uputa. E te e nuna. Tini tō i haere meru tu ito tatu whinu arama ite. Hello, we pray that you are not going to be able to do it. And you are not going to be able to do it.
te whaari ona, i a tatarahia te i ubuta. E te tia o te hauharani, e te ona whaari nā tātou e, e tatarai te i ubuta. Ienen he tātou e whaanho papu te tāpuru he peritu i tō tātou whinu. Mera he tua, mō prau, pretini. Mera he tua, mō prau, en he prau. Nara wau e, peritu i te e, te orero a tāu, e ha amaruru mai tei, tō tātou te pute. Mana o turu, i te hupa, te mea ua i te papu rātou pro i te pepe. Ai tātou e o puta e waira. E rohoi, e rohoi te hupa, maruru. Maruru, patrera o te whenua te verane, pahonor ai te emo pira, tia oera. Maruru, pretitin. Wa horo e no ou ti te mo pahonor a te pepe. E au e te hau ahu meira ki te anira. E tu te anira Tong Song. Te parau o nei te ie parau kai tai o tui mua i a tātou, e au e nā tō e nōt a tei papai, aita, aita roato, nā te tia o te ie a whatamoni. Ka papura o e turu pai whanhora, te veira tra teie te harmai, te rawai te hibai a tātou, te veira tra teie te nāna te mau tino moni, i tā amuhi e tu te epiti te te rāta, i tai o mai, te ha papu mai rao nei, te ie whanhora te a whatamoni tā rātou, et umai rātou i tui te whanhora tā tātou. Ai te ie parau hea mani no hia, o ani wau me pāpū te ria. Te piti o te mano tai whar umai tai, te mea tau e pepe ara, pini pini pei arame harame parau te parau, e i pahono na ue hari tui rapa. Nā vai e pahono au, e pahono ane au. E pahono ara au, e nārto te reo frani. Je crois qu'elle doit comprendre qu'on n'est plus dans une classe à l'école où elle donnait ses cours d'économie. Oser dire ici qu'un contrat d'exclusivité de la commercialisation, c'est aussi l'exclusivité de la fixation du prix producteur. J'ai jamais vu ça, moi. La distribution, la vente, c'est pas la production. Théâtre, professeur, j'aimerais connaître la situation de ces élèves. Non mais franchement, je crois qu'il y a une confusion incroyable. On confie nos produits pour la distribution. Naratoto e fautie trad monita outle homai. Yehuru. Yehuru. J'ai jamais vu de concept d'économie comme ça. Ensuite, une confusion dans l'esprit. Elle vient de nous déclarer ici que tout président du conseil d'administration d'une société, ça vaut rien. Qu'un pouvoir. Vous rendez compte le nombre de sociétés qu'il y a dans ce pays? Qui nomme le président? L'Assemblée générale. Qui nomme le directeur? L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, composée de quoi? Quatre représentants du pays, trois en face. Et le directeur général, ensuite, désigne le directeur financier. C'est une désignation. Mais le directeur général est bien sous la coupe du conseil d'administration, notamment de son président. Voilà, je ne comprends plus, au code des sociétés. C'est ça la réalité. Si le directeur général n'en fait qu'en sa tête, mais hop, c'est ça les instances. Franchement, quand je l'ai écouté, je me suis dit, peut-être qu'on allait lui proposer le poste de président. Je crois qu'elle n'a toujours pas compris à quoi ça sert comme fonction. Non, je crois qu'il y a des situations très claires. Ou alors, on va lui acheter le code des sociétés. Comment ça s'organise? Les distinctions de pouvoir, c'est clairement établi. C'est une société de droit polynésien. Donc c'est le code qui va s'appliquer. Donc nous avons pris nos précautions en la matière. Pas croire. L'Assemblée générale, le conseil d'administration, détient le véritable pouvoir. Et c'est la règle à 51%. Voilà sur les interrogations. Ensuite, je laisserai mon collègue Temori Foster pour la partie technique. Je rappelle encore, on me pose encore la question, quels sont les investissements? Le président a lu ce matin les installations. C'est vrai que les discussions continuent, savoir les sites, dans quelle mesure. Mais effectivement, on a identifié. Et qu'on ne vienne pas nous faire croire ici qu'ils vont venir sans financement. C'est nous qui apportons nos biens en utilisation, en droit d'exploitation. Ce n'est pas un décisissement. Eux, ils vont apporter ce qu'il faut pour monter matériellement la structure et le projet. C'est ça la réalité. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a peur d'y aller, on ne veut pas y aller. Il faut bien s'ouvrir.
mais aux conditions bien établies, surtout qu'on ait une maîtrise de ce qu'on met en place. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais apporter comme précision. Mais je rassure, Monsieur Tongson, le document ce matin, il s'agit bien de la banque d'investissement. Peut-être que vous lisez mieux le chinois que moi. Moi, je vais se faire traduire le document. Hein. Je ne peux pas dire plus. Narira, Maruru, Maruru, Maitei, Maruru, Matrea. Mitenia, di, hope to Mono, me, Ninera, Autio, not me, a mere head, Mohipa, mere head, Mohipa, Ninera, Marmana, Naria, eh?
Article 1er. La société d'économie mixte dénommée Société de financement du développement de la Polynésie française est autorisée à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole dénommée Te Nui Jinmin Ocean Farm. Maruru mai te wa fatahi o mai te te prou fatiti ai faror a ki roto i tō tātou rima, te numara ho e. Te upo prou na te meharo fridge e o alfa, te tamira tarimar ara na te meharo fridge e o busu. E te pepetra, te whari nei matou, whari nei matou. Te anine iau ia alfa, ia tei o mai. Jo Cristo Buisu, ia oera, tei o mai. Rohi pei tā mea, chercher l'intrus. Tei e ia. Ok, nao e tei o tō, ai rana pa i tō tātō wharaira. Il est proposé de modifier l'article 1er de la manière suivante. Au lieu de... Article 1er, la société d'économie mixte, dénommée Société de financement du développement de la Polynésie française, SOFIDEP, est autorisée à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole, dénommée Te Nui Jinmin Ocean Farm, lire, article 1er, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER. Ça, c'est du costaud, hein? Est autorisé à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole dénommée Te Nui Jinmin Ocean Farm. Maruru maitei, il y a une farine a été une fatite et ferrora sur la recevabilité de ta atoara. Maruru maitei, ahani, et hâte tout mou auto hin arue mono ite yene Sofidep ite yene Ifreme. Tatarari maina. Exposé sommaire. Il est proposé de substituer l'IFREMER à la SOFIDEP, qui doit rester un organisme de soutien au développement des PME en Polynésie française. L'IFREMER, de par son expertise en matière de développement aquacole et de par sa renommée internationale, paraît un meilleur partenaire pour accompagner la réalisation du projet. Je rajouterai bien sûr qu'il s'agit ici d'une proposition. Rien ne nous empêche de faire éventuellement un sous-amendement si vous estimez que l'IFREMER n'est pas l'institut qui sied à cette participation. On a eu l'occasion pendant la commission des finances de soumettre l'idée d'une participation du port autonome de Papeete, n'est-ce pas? Du port autonome de Papeete, pour que nous continuions à avoir le contrôle sur le capital de la société à mettre en place. Et l'IFREMER, voilà, l'IFREMER est un organisme d'État, c'est vrai, mais en même temps, on sait votre proximité avec l'État aujourd'hui, avec le gouvernement central, et il serait assez facile pour vous d'inciter l'IFREMER à participer. Si toutefois cela semblait être une difficulté pour vous, rien ne nous empêche que ce soit un établissement public local, par exemple le port autonome, qui a des compétences en matière d'infrastructure maritime, quais, n'est-ce pas, remblais, etc. Robert qui a oui, mais 15 minutes après, j'ai dit parti pour prendre la parole pour calmer un peu les esprits au moment où ça a monté un petit peu en puissance. Et c'était un peu les vœux de mon collègue de Papeete, Myron, et c'est dans cet esprit que je voulais prendre la parole. Mais 15 minutes après, ben, ça s'est déjà calmé. No atua pa iwo tauhiari i te reo, nā tumo pupu e wo horoa hi atu miniti i roto i a Kalewe Rodo, nā te mana o tumo mutu horoa i tra ahuru miniti. Tu reo, ne poro poro e tōna mana. Te ni pene horoa tu horoa ti a oe.
Je peux prendre 5 minutes, Narida, puisque c'est vrai que... Alors, très rapidement, sur ce dossier, Président, il est 15h10 et on est au deuxième dossier, en sachant que les deux dossiers concernent le même sujet. Le sujet, il n'est pas très compliqué, l'essentiel de s'entendre. Le premier dossier qui a été voté, je rappelle, et je donne mon point de vue, il n'y a pas lieu de dénaturer l'origine donc, de Sophie Depp, je rappelle, qui est un instrument pour aider les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au moment où l'emploi est très rare, on a tendance, nous tous, gouvernement, quel que soit le gouvernement, à faciliter la création d'entreprises, des toutes petites et les moyennes, parce qu'on n'a pas la capacité de développer des grosses entreprises. On a besoin de soutenir les individus, aussi petits qu'ils soient, à créer eux-mêmes leurs entreprises, puisqu'on a du mal à trouver du boulot. Voilà l'instrument auquel on devrait donner davantage de poids, et on veut modifier. Hein? Donc, il n'est pas possible de soutenir ce dossier. Maintenant, les 2%, je crois... On est tous d'accord, on a tellement chinoisé ce dossier, en plus c'est un chinois qui le dit. On est tous d'accord pour soutenir ce projet. Mais on souhaite, ça a été dit 36 fois, mais on souhaite un peu plus de transparence. Ça a été demandé 48 fois. Et on n'a pas eu de réponse. Et on ne s'entend tout simplement pas sur les 2%. Quand bien même nous voulons que ce projet puisse avoir lieu. Donc, mettons-nous d'accord, trouvons une solution par rapport aux propositions qui ont été faites. Ce n'est pas pour faire plaisir à tel ou tel groupe, c'est pour que ce projet avance. On n'est pas d'accord pour la Sophie Depp. Il y a une proposition pour une nouvelle entité. On n'est pas d'accord. Il y a également, je viens d'entendre le port autonome et à la commission. Moi-même, j'ai défendu, pourquoi pas le port autonome à la commission des finances. Si on se met d'accord pour trouver l'équivalent de la Sofidep pour ces 2%, on ne demande que 2%, avec la même idée maîtresse, le contrôle à 51% du pays. Mettons-nous d'accord, allons-y ensemble, tous ensemble, trouvons un équivalent de la Sofidep. Oti, le dossier, il est réglé. C'était ce Maruru. Que je souhaite Maruru. Dire. Merci. Maruru. Ruru periktini. Orang nomit itu atau pat oh itu kita pergi amhana. Aku itu mana itu era taro beri hari itu atau kita pergi amhana hari itu atau itu maru atau tato mau ferulira. Hari mau periktini tayar mana nanti mian mit itu atau cara amai waktu itu lirat oh hape bah oh kita ur ayamato. Ini pat ruru admu merut apor arai ruru a protita bah tato itu. Tinya tato kita hua perutita lah, huti materia tanah fanhora, huti tu teria tanah fanhora. Kira to tomato mumu tura romot ay tevero, te tauvero, ay te manon ora te feduri out dua fare suir atira nahia. Eh hari mai kira to kita tato apor arhe, hame faro tumu perawat oi faro hie te pepe, te perawro it perhe te mana perhe ta auto. Aroi tau tau hupa, ki au tau rata pērhe. E, tāpea tau tau whaotira, nā au tau hoi e te mei, e hap ehi paitupu mei. Te veira rātu mālon ora. Te veira paitu mālon ora. Sera pai mu parau tātou i parau noana. I heho pātehi ato tātou aia. I heho ro te taria i te taipuno tamoni. Nā tātou tera mu parau. Te imhana, e rā. Te parau rātou i pērhe te imhana e. Ti auto tu pahre, faudi te mea auto hinaro, ki amara to auto te mahan. Fatura to maira, heru aji tu mana ayo titura. Fatia to maira, fari to maira to mato mana. Te parau ra ke tamana te eropu, te hare ra tu mana inhe yana. Mi pauwe, iroto te ye opuara, e me te hi atona hui ra tira veira o. Tomie nona. Iaura peru tu ro yawe tamana te eropu wes, to o te ra, jaro matai. Ai te mai mato hoe initi tei mei, harehi a mai mato e parau, e hāt fōwhārau te e o buara. Te ui rawa,
Temana, kitata no kitama, hare hoiterori, hare higitoro. Ai, I tell my motto a help order. I tell my motto a help order. Te proa haro kitamano, te yarapu, te wido yana, we wida. Pro hora on a hiyo hora on a tio o taratoni. Promo, te ohura te mirafo of taratoni, te veda ta reporto rato, nike, tatato a choea. Roto pa e te prate e te muni hia, whaite mena ona te o no choe noa e kanak. Ua muni hia nio te mua tupura ahipa. Kanak tai paraura, no rato gra whenua. E choe pora tu tapu era awha ua ona milioni hia e numea. Tau I te chare rai numea, e rat pra kanak e ori hana mai nata pae porou, e nu awat e hupa, pupu I tau awat ero, ai te hupa, tau ye ite. Tau ye ite. E tau ye mana no rai to tato pra ma ho rito to tato fenu. E mei ita tato. E ba ya. No ta pe faro no la tra mu pra ta ida pe mi te me ya pe pe. Mi te ya me ya pe pe. E mei ni. Te u ida e o te mana e ha fo fara. No te te mo mi pe fo fa hi ya to tu amo tu e. To o ida o a. Wore ye e hu ida ti ro ro ai te hi po. Te u tu ra ai vo. E ti te pra mo tu ya. E ha ya. Maruru. Hani whaite mene I o toi au te maha. E pahono hia. Maruru. Maruru mai te. Heu mei tatu ni ta tatu whati ki e wharora. Te wira e mono I a Sophie Depp na Ifirme. Wani hia nei prau whati ai Ifirme no te tomori tu te anei ra. Te hani ra o I te aita. Aite. Aite. Me papa ino. Me papa ino. Iha. Te hani ra o I o tou e dua fritsi a oe. Peritini. Pahono papu tu o I a oe. Aita te mana o Ifirme I whawhahia. Tēnei, tō mātou mana o, e ani pai tātou I te apu ora arhei nā muaroa, e te āne I a tātou, e ani te ho e pū mi te e tūru e oia a, te haramai I roto I te e te e te e te mo, I mo tinito, e riro atoa e mata e tauturu I tātou, e ara e ape I tātou, no te mea, te ye mo ta te har mai ne ta ra tu ri da mo ni wo i te o e ren au ha pi tu ya o me ata ta te mo ta ta mi te pu i ta tu e ara te pu i tu har i te paruru mi tra e pro hia ara specialist no ira mo no ma tu to ma tu mo no ho ho nu i ro tu i te hu pa me ta no e ra ve mai te ho e ta ye te no tra e piti ni ho chanere Ti roto onei te hupa maimir ānei, te hupa moana ānei, tara te teimon oina ua nei, te pōr o tō nom, no te ha. No te mea, whāri tātou I te mō pai, no te ie mō imir ā, e te prau no te freiti ānei, te vai atu rā. E ho ona te teime, en hen he pā te pōr o tō nom atoa, no te mea, te roto onei te ie tēte, e wha ohuia mai tā tātou o hupa e te ie nei mō tinito. Tō mātou mana o tumu rā, tō o tōia mana o te hāmatara āmai. Nō tō mea, wei te au, wei te oe, mea reiro tō hoai o āmai. Trapai o mai, ere? I tue horu atu te iwa, a wane oe are tio tio, me. Tō o tō mana o mātā mua, e ahari te rai turu mātou, oia hoi. Ia tūhia mai te ie te ie te, te an air tā tātou, I roto I te ie nei te ie te. Nō te hai tau iei. Wa atu tūro tara parau I tā tai. E roto I tā ahi o rā. No te mea oi te ue o wei te metua o te ienei tai ete. Ta ui e hoa I o ae tūra e tōna rimai nia. A hari ona e manu I ei hoa. Ai tara, tā papautura o toi te Sophie Depp. Ai tu oi te o wei te Sophie Depp. E hātana a I roto I te ienei o hipata tātou. No rira, Britani. Mi te peo e maiti mai o tou tei, e maiti mātou I tā o tou. Tarina, maruru mai tei, maruru, maruru mai tei. Te mara mara mara? E, hiro te wharere, hiro te wharere, tia oera, tia oera. Harame e uvito. Harere aro, narodro e uvito tātou te vio te whemoni. Te whemono tāna I tūmai. Aita, Tamoni ore. Aita, te wira ti tohia pareteni traia tāoe I tūatu. Wauhia te mono I Ifirme nā ome nei nā tāta e toru ti papai. Aita,
Club de Madrid. O tētu tau. O i te tau anō o mai ai ki haramai. Tā hoa ia whiwhi burikita. I roto rā i te rā mārōra āparau. E hā te mōna ora hei te i mataramai. Te i e mō pretini atoa. Te i e mō whātere haunui matamu atoa. Te i whātere ena. I te mō whenu atoa hātire a tātou. I hā tātou e riri e whāhau. Ti taura ya tātou, nawe e whātupu, tātou, naroto i te rawe āmuira ai te e mohau e hātinei tātou, no te mea, te ora o te e paranteta, ananhai, te moana patitifo. Ai te e ho pate rā, te e whānho rā, tā hei rā matamua, no te amou rā, i te tei imira. Warawe te mou kā nake i tā rātou. Namu e a rātou, warawe te mou Māori i tā rātou, o tā pē. O tā pēha te mau Māori. Te matei ti hoa e tautine ei wahanere ei wahuru mawau. Te tapi hoa ora rātou, e o manuia. E paha mō rā wahau i te e uira. Mato nei, e huahine, a tō e anikma, wo whare rei te e mo ona. O tupu o te mau maro rā parou matamua, e tupua te uira e vainer te a mātou no tramo opuara, e hā te mau whanho a titauhia, iarauhia, e huahine, nā to huahine. O e ahuru te wherui ai whakarawa, o e ahuru i hō, o e ahuru rato i te mau motu wat o. E titauhia e wherui, nā mua rā, hā mau te e whanho rā e te e whaaura. Parau hōpaya, te oa o te mau kāna te manuia, te veira, me arahai. E horoano wō te oa o tō uta e lulu kotra urege. Tape, tape, manuia, kanak tera, kanak tumu. Te tā e rā rātou i rātou e tātou, ai te pai te e mō tā e tō tātou i ān e. Te parau o te fōwha o te whenua, te parau o te apir tui tā rātou mō te ete, e tō rātou parau. I hāmi tātou. Maluru. Te roi rai. Rito, mana hopea mai titu e tātou ni i te e parau whati te wharora. Ngaru Pritini, ngai te parau whatiti ai wharura, Pritini, aita tumana o e tuati, aita tumana o e tuati, te mea
fea. E rewe nua utu fa uti ra ai te mana. Te mera te ai tapea mai, e au e te anira, tumo fe ai tapere, i tarima mai te parau, a imi mai na hoi sua a mando mano, fa a horo a uti e hiba. Te rea te ai tapea mai. Mana wau, o ti ia te pahonohi a te ria. Ai te mana, no te rawai te ia fa uti ra ai paru ki fira mera re mai. Tā tātou mana, tā utou mana, te parau ia tso fidep. Te ria pha tātou e tapea mai. Maruru. Maruru mai te ai te mai ti ra tātou ni eitra anira a mea mā, no te iene I monor a, whei ai whaari ia, whei tiri men ia. Aita, ahuru e mamha o te whaari, whei ai patoi, a whei tiri men ia. Toru ahuru e maho e, e whei a whae muho o reno, eiva, eiva au, ahuru. Wa hurihia te ienei prau I waho. Hei mei tātou ni eiti irawa matamu, te vera nei tō tātou mana o te iti porie. Merci, Monsieur le Président. Profitez donc de la possibilité que l'on a de faire une explication de vote, puisque depuis ce matin, j'essaye de pouvoir m'exprimer sur ce projet, ayant moi-même été interpellé par le Président du gouvernement. Donc je me désole de devoir utiliser le temps d'explication de vote pour m'exprimer et très rapidement. Je veux dire qu'effectivement, j'ai participé à la commission qu'il y a eu avec les Chinois, que c'était très impressionnant de voir ces messieurs s'énerver devant la représentation polynésienne, parler avec beaucoup de nerfs, ça se ressentait, se lever, être impatient. Et vraiment, les questions que j'ai pu poser ce jour-là sont restées sans réponse. Jusqu'à maintenant. Elles sont toutes simples. Quelles sont les garanties que nous donne ce monsieur sur la fiabilité de ses projets? Et ensuite, les garanties sur la durabilité de ce projet? Pas de réponse. Monsieur le Président, ce qui est sûr, c'est que nos craintes, elles sont fondées. Vous savez, en l'an 2000, lorsque la Chine a décidé de construire son barrage des Trois Gorges, ils ont déplacé 1 400 000 personnes. La plupart d'entre eux se plaignent aujourd'hui d'être relogés dans des conditions déplorables en Chine. En Afrique, la Chine est partie s'installer, utiliser les ressources, les matières premières chinoises, africaines, pour la Chine à travers des joint ventures. Parce que la joint venture, il ne faut pas remercier qui que ce soit de décider des parts. Une joint venture, c'est toujours 51% qui reviennent à l'État où ça s'installe. C'est comme ça. Qu'on ne fait pas exception à la règle. Comment ça se passe aujourd'hui en Afrique? Mal, très mal. Voilà pourquoi on a des craintes. Parce que nous n'avons pas de garantie sur comment ça va se passer chez nous, de leur part, de la part de ces gens-là. Nous, nous sommes factuels, Monsieur le Président. Dans une société, c'est vrai qu'il y a des présidents de conseils d'administration, mais c'est surtout vrai qu'il y a des directeurs généraux et des directeurs financiers. Et c'est eux qui pilotent au quotidien les entreprises, pas les PCA. Donc ce sont les Chinois qui piloteront ces sociétés en Polynésie. Comment? On ne sait pas. Et en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie. C'est que des néo-calédoniens qui pilotent l'ensemble. Tiens, ce sont même des sociétés néo-calédoniennes qui valorisent la matière première néo-calédonienne. Finalement, Monsieur le Président, on a le sentiment que tout ça, tout ce qu'on a pu entendre ce matin-là, les taurapro entre le Tahoeira et l'UPLD, qui passent par-dessus nos têtes, mais où est la vision? Où est la stratégie? Où est le plan? Tout en haut? Ben, Monsieur Pierre Fribourg, merci de nous dire qu'il n'y a pas de plan. Il était temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tous ces débats qui ne servent pas à grand-chose. Parce que s'il y a eu vraiment des discussions de plans de développement économique et social, il y en a peut-être eu un aussi sur les ressources maritimes, à quoi colle, quelque chose, quelque part. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des documents chinois
Et on nous les a juste montrés. Malolo. Ça ne peut pas être en français? Tiens, ça ne peut pas être en thaïsien? Malolo. Notre preuve est en tinto. Tao yite, yati anamitra tinto, notre fatura est mot atatane proprolo. Mourou at o taïf atupu, yati anéona, notre fatura est mot at. Et tu peux ouïte ouïte tête à tote ino ino. Aïto ouïde. Te maïti ratato yete irava matamua. Fei fari afaitrimania. Toru ohuru e maho erio fari, fei patoi. Piti ahuru maturu rio patoi. Irava paem huoreno. Ahuru mamha. Ahuru maturu otai faem huoreno. O papu mai te taho era, aita. Abstention. Papu mai abstention. Ahuru maturu. Aria. O e ahuru o te patoi. Tō tātou aia, maruru mai te. Ireva numero piti. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Maruru mai te, Jean-Christophe Buissou. Voilà, Maruru mai te. Je souhaitais intervenir avant le vote, mais c'est pas grave. On a maintenant l'habitude de faire voter rapidement, sans même pouvoir intervenir. Il faudra redresser ça en temps utile, vers le mois d'avril-mai, disons mai. On reviendra sur un mode de fonctionnement normal dans notre assemblée, où on laissera la parole aux uns et aux autres, et non pas comme ce qu'on en a pu voir jusqu'à présent. Hein. On n'a même pas le temps d'intervenir avant le vote d'un article. Je voulais vous dire, on fait une entorse sur le fonctionnement de nos sociétés d'économie mixte. Jamais on aurait dû présenter ce dossier de participation de la SOFIDEP ici à l'Assemblée. La preuve en est, toutes les décisions de participation au capital de sociétés de la SOFIDEP n'ont jamais fait l'objet d'une transmission et d'une décision de notre Assemblée. C'est la première fois. Pour quelle raison? Parce qu'on estime aujourd'hui qu'il revient à l'Assemblée de décider, y compris sur les participations que doivent faire les conseils d'administration et les assemblées générales au sein de sociétés tierces. Alors on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi? Simplement pour introduire un dossier que vous estimez être un dossier politique, pour pousser l'opposition à voter contre un projet introduit par des Chinois, peut-être avec le soutien du gouvernement de Pékin. Mais vous voyez, vous ne rendez pas service finalement à ces investisseurs, parce qu'en réalité, en ce qui nous concerne, nous sommes d'accord sur que ces investissements puissent se faire, mais pas dans n'importe quelles conditions. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est que ce faisant aujourd'hui, puisque vous rendez obligatoire tous les investissements des sociétés d'économie mixte en termes de participation dans les capitaux d'entreprises, vous rendez obligatoire pour toutes les sociétés que nous avons, ATN, etc., 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 etc. Deuxième chose, y compris la Socredo. Deuxième chose, vous mettez en péril toutes les décisions qui ont été prises auparavant. Oui. N'importe quelle personne aujourd'hui peut traîner devant le tribunal du commerce les prises de participation qui ont été effectuées au sein de ces sociétés. Le ministre des Finances nous a transmis un catalogue des participations qui ont été effectuées par la SOFIDEP récemment. Mais écoutez, si ce catalogue tombe entre les mains de n'importe quelle personne à l'extérieur, puisque c'est de l'argent public dont il s'agit,
Et si on estime qu'il y avait une obligation de passer par l'Assemblée, alors à ce moment-là, l'ensemble de ces investissements tomberait. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Non? Vous n'étiez pas conscient de cela? Vous venez aujourd'hui de créer un précédent. N'importe qui, sur toutes les décisions qui ont été prises la semaine dernière, il y a un mois, il y a trois mois, serait en droit de pouvoir saisir le tribunal pour faire casser les décisions qui ont été prises. Tout ça, pourquoi? Pour nous obliger à nous positionner sur les investissements chinois et pour dire simplement, regardez, cette opposition qui ne suit pas, qui ne veut pas des investissements qui viennent de Chine. Vous voyez, mon sentiment, moi, c'est que vous faites un faux procès. C'est pas l'opposition que vous devriez vous en prendre, c'est simplement à vos propres turpitudes et de faire en sorte qu'aujourd'hui, ben, vous venez de créer effectivement un précédent. Bien, Monsieur le Président, j'aurais tendance à, en résumé, répondre, ça c'était avant. Les obligations d'intervention des SEM sont clairement établies en droit. Clairement établies. Il y a une pub qui passe à la télé, à chaque fois, je dis ça c'était avant. Aujourd'hui, on se conforme strictement en droit lorsqu'il s'agit d'une SEM. On ne peut pas nous reprocher de respecter la légalité que vous avez décidée. C'est ça. Parce que sinon, on va se retrouver en face. Explication de vote. Robert. Explication de vote. Par lettre numéro 484 PR du 21 janvier 2013, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification des règles de rémunération durant la période de stage des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la Direction de la Santé. Les délibérations numéro 96-136 APF du 21 novembre 1996 modifiées et 97-198 APF du 24 octobre 1997 modifiées fixe les statuts particuliers des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la Direction de la Santé. La carrière des praticiens hospitaliers s'effectue au sein d'un seul grade comportant 13 échelons. Les durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons ainsi que les indices de référence sont fixés ainsi qu'il suit. Donc, vous avez un tableau dans lequel il y a la colonne des échelons qui vont du premier échelon au treizième échelon. Ensuite, la durée minimale et la durée maximale. Alors, du premier au troisième échelon, la durée minimale dans chaque échelon est de 1 an. Du quatrième, pour passer au quatrième échelon, la durée minimale est de 1 an et demi et maximale de 2 ans. Du cinquième échelon et sixième échelon, 2 ans minimum et 2 ans et demi maximum. Septième, huitième, neuvième et dixième échelon, 2 ans et demi minimum, 3 ans maximum. Et du onzième et douzième échelon, 2 ans minimum, 3 ans maximum. Alors les indices
Premier échelon 640, deuxième échelon 665, troisième échelon 691, quatrième échelon 704, cinquième échelon 739, sixième échelon 783, septième échelon 829, huitième échelon 862, neuvième échelon 896, dixième échelon 940, onzième échelon 987, douzième échelon 1036 et treizième échelon 1077. Par délibération numéro 2011-58 APR du 13 septembre 2011, l'Assemblée de la Polynésie française a supprimé la condition de passage qui prévalait entre le 10e et le 11e échelon, ce passage s'effectuant dans l'ordre de l'ancienneté acquise par les praticiens aux échelons précédents, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à 2 ans et demi. Cette disposition posait potentiellement problème au moment du recrutement de praticiens hospitaliers en qualité d'agents non titulaires, dont la rémunération était automatiquement plafonnée au maximum par référence au 10e échelon, même lorsque ces agents pouvaient se prévaloir d'une reprise d'ancienneté qui aurait pu leur permettre de percevoir une rémunération par référence à un échelon supérieur. Le présent projet de délibération s'inscrit dans la même logique posée par la délibération du 13 septembre 2011 précitée. À l'instar des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique territoriale, les praticiens hospitaliers doivent suivre un stage d'une durée de 12 mois avant leur titularisation. Durant cette période, ils bénéficient d'une reprise de leur ancienneté pour le calcul de leur rémunération, sans toutefois que celle-ci puisse excéder l'indice afférent au 10e échelon. Ce plafonnement a pour conséquence de diminuer la rémunération des fonctionnaires stagiaires qui pourraient se prévaloir de plusieurs années de services antérieurs. Il est proposé dès lors de mettre fin à cette incohérence et de supprimer les dispositions qui prévoient cette limitation de la reprise d'ancienneté des praticiens hospitaliers durant leur période de stage. Dans sa séance du 18 décembre 2012, le Conseil supérieur de la fonction publique a rendu un avis favorable aux modifications proposées. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique, d'adopter. Merci, Président. Le monde a changé. Les pouvoirs publics doivent faire face aux profondes mutations de notre société dans tous les domaines qui relèvent de leurs responsabilités. La place de l'économie, le rapport aux institutions et donc aux politiques, les transformations sociales qui transcendent les générations. Les attentes des Polynésiens, les bouleversements sont nombreux et rapides. La santé, à l'évidence, n'échappe pas à cette règle. Je pense en particulier aux conséquences des évolutions épidémiologiques ou études des facteurs influents sur la santé et les maladies de population, au développement des addictions et au poids croissant des maladies chroniques, à commencer par le diabète, les maladies neurodégénératives, le cancer ou les maladies cardiovasculaires, qui nous obligent à réorganiser en profondeur l'action de notre système de soins, dont le CHPF. PFL épine dorsale. Je pense également, et c'est en partie lié, au vieillissement des patients et à leur volonté d'être pris en charge à domicile. Je pense enfin aux attentes nouvelles qu'expriment les Polynésiens à l'égard de la santé, besoin de protection, de transparence, de qualité. Notre système de santé publique est au cœur de notre pacte social aujourd'hui fragilisé. Face à ces mutations, deux attitudes sont possibles. La première, c'est le renoncement. Renoncer parce que c'est plus facile au regard des contraintes économiques et budgétaires qui pèsent sur nous. Renoncer parce que le poids de la responsabilité est tel qu'il écrase toute volonté. Renoncer et finalement se soumettre peut être de bon gré à l'idée que la santé est un marché comme un autre. Renoncer et donc assister finalement en spectateur au démantèlement annoncé de notre service public de santé. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon état d'esprit. La seconde attitude,
elle part d'une conviction, d'une certitude, celle que le CHPF a un avenir parce qu'il est le socle de notre système de santé. J'ai confiance en l'avenir de notre pays, cet avenir nouveau, et que la santé soit considérée non pas comme un fardeau, mais comme un facteur de progrès, d'innovation et de croissance. Nous avons tous ensemble une immense responsabilité de ce texte, va dans ce sens. En les défendant, c'est donner les moyens d'affronter l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Oui, Monsieur le Président, ce serait plus des questions. Hein. Alors, parce que je ne suis pas spécialiste, alors ce projet me laisse perplexe dans la mesure où il semblerait que dans la filière administrative de notre fonction publique territoriale, on ne prend pas en compte les années de service antérieures. Alors, l'agent stagiaire commence au premier échelon du premier degré. Est-ce bien cela? Si oui, qu'est-ce qui justifie cette dérogation pour les praticiens hospitaliers? Est-ce vraiment le bon signal à donner au moment où l'on demande aux autres agents d'accepter un gel de leur indice? Est-ce un risque potentiel où il concerne des situations identifiées? Et enfin, quel serait l'impact financier d'une telle mesure? Désolée pour ces questions, mais il me semble que nos auditeurs ont... tout comme moi, besoin de précision. Je vous remercie. Voilà. En septembre 2011, notre Assemblée avait modifié les modalités d'avancement des praticiens hospitaliers de la fonction publique. Vous aviez, Monsieur le ministre, souligné le besoin pour le pays de faciliter le recrutement des praticiens hospitaliers en CDD. Je parle de la mesure de septembre 2011. Ainsi, la rémunération de ces professionnels n'est plus aujourd'hui plafonnée au 10e échelon de la grade, puisqu'ils bénéficient de la reprise de leurs anciennetés pour accéder à l'échelon supérieur dès leur recrutement. Alors, justement, ma première interrogation concerne le résultat de cette décision qui a été prise par notre Assemblée en 2011. Alors, nous souhaitons savoir si l'objectif recherché est atteint en 2011, c'est-à-dire est-ce que ça a véritablement facilité le recrutement des médecins, des praticiens hospitaliers en CDD. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, avec le concours de Monsieur le ministre de la Santé, nous dire combien de médecins ont pu rentrer dans cette mesure, c'est-à-dire être recrutés en CDD? Pouvez-vous aussi nous dire combien exercent au CHPF, ainsi que ceux affectés dans les structures de santé de la direction de la santé? Quel est finalement l'impact financier pour les régimes de la protection sociale généralisée? Parce que nous savons tous que le financement du CHPF est assuré à plus de 70% par la dotation des régimes sociaux, aujourd'hui très largement déficitaires. Et ensuite, dites-nous si la mesure le fait de faciliter justement ce recrutement en CDD prise en 2011, si ça a permis d'activer le paiement de salaire de ces médecins recrutés en CDD. Parce qu'on en a quand même entendu parler que le délai pouvait prendre plusieurs mois avant que le salaire soit versé, au point même que beaucoup de médecins ont été découragés. Alors, nous posons toutes ces questions, Monsieur le ministre, parce que nous estimons qu'avant de corriger certaines dispositions réglementaires, il est nécessaire d'évaluer la portée des décisions déjà prises. Aujourd'hui, votre gouvernement nous présente un dossier du même acabit. C'est-à-dire vraiment, très succinctement, il n'y a aucune estimation, il n'y a pas de données
le dossier n'est même pas, il n'y a pas de données chiffrées. On ne sait pas combien de praticiens hospitaliers stagiaires sont concernés et quel serait le besoin de financement. Bien évidemment, le groupe Tahuera Huiratra est apparenté. Nous sommes favorables au respect des règles pour tous, s'agissant ici du statut particulier des praticiens hospitaliers. Et nous nous interrogeons néanmoins, pourquoi avoir attendu 17 mois plus tard pour vous rendre compte des conséquences des modifications prises en septembre 2011 sur la rémunération des praticiens stagiaires. Merci pour vos réponses et je vous remercie. Alors, Monsieur le Président. Comme je le disais ce matin, c'est sur l'aspect humain. Ce dossier-là est assez important, vu les critères que nous avons en ce moment sur la santé. Donc je remercie le ministre pour la presqu'île, pour l'hôpital, ça s'est réglé rapidement. Par contre, moi, par rapport à ce que la représentante du, je ne sais plus c'est quoi, Porinetia, Totato, enfin, vient de dire, je voulais amener un témoignage important. C'est dommage que le député n'est pas là. Alors, messieurs les élus, savez-vous à l'heure où nous parlons, maintenant, combien de Polynésiens sont hospitalisés à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour la leucémie? 28 Polynésiens, dont deux seuls patients sur les 28 ont un accompagnateur avec eux. Okay. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ce qu'on a parlé ce matin, ce que le président a dit. Tout simplement, en discutant avec le personnel médical de l'hôpital, voici leur réponse. Ce sont les conséquences des essais nucléaires. C'est eux qui le disent. J'ai rencontré des Guadeloupéens, nous avons rencontré des Martiniquais, des Réunionnais. Il n'y a que des Polynésiens qui soient aussi touchés au plus grand nombre. Et je tiens à préciser que 3 membres d'une même famille de Hau, dans la famille Cavera, 3 membres sont hospitalisés. Ces malades aujourd'hui, sans accompagnateur, c'est la galère, 30 jours d'interdiction de quitter la chambre. Lorsqu'ils sont en aplasie, impossible d'aller acheter du crédit pour téléphoner à Tahiti. Quand ils ont les moyens, pas de fruits, autre que ce qui est servi à l'hôpital. Coupé de tout, malgré la bonne volonté de certains, infirmiers, infirmières, rien d'autre. Ils sont comme abandonnés à leur maladie, seuls dans leur chambre, avec en plus la souffrance de la maladie. C'est atroce et la souffrance du pays. Nous avons encore en mémoire ce patient d'une 30aine d'années qui nous a demandé une seule chose. Si on pouvait lui expédier dès notre retour à Tahiti une bouteille de mon œil, c'est son message, car ses soins ne sont pas obligatoires par le personnel médical. Alors en récompense, il leur offre cette bouteille de mon œil. Je remercie mes camarades qui m'ont accompagné, parce que nous avons pris l'initiative de leur offrir un ordinateur, un amendement avec une clé USB pour permettre à ces malades de communiquer par Skype à leur famille. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons leurs cotisations et nous sommes en train de monter l'association. Il y a une association, Toturu Yana. Notre association, c'est Toturu Yatato. Voilà. Tout ça pour vous dire que la seule façon de faire évoluer toute la vérité sur la reconnaissance par l'État français des conséquences de toutes ces maladies, dû à ce que nous savons, on ne va plus remettre ça sur le tapis. C'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui. Pourquoi aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le déclenchage de la base alpha, elle s'est passée où? Le déclenche du CEP, le déclenchement, elle s'est passée dans la rade de Veirao. Les super pétroliers, comme il y en a aujourd'hui, étaient amarrés. Il y avait 2 pétroliers, la Charente et l'Isère. On était gamins, on allait jouer. Aujourd'hui, allez demander de mettre un pétrolier là-bas, c'est la galère. C'est pour vous dire qu'il y a des conséquences et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui. Ce que le président a annoncé, il y a bien des conséquences. Merci de m'avoir écouté. Marie-Maïté Armel, vous avez 6 minutes. Alain, tu peux avoir le micro. C'est
Tu peux avoir le micro, Tavano. Merci. Voilà, donc moi, je suis désolée, je reviens sur des choses assez banales. La proposition qui nous est faite est en fait, selon nous, un point de détail. Un point de détail, mais qui a son utilité, puisqu'il s'agit, pour la période de stage des praticiens hospitaliers, de trouver une cohérence avec des dispositions qui existent et qui permettent, à titre dérogatoire en fait, la reprise d'ancienneté d'expérience au moment de la titularisation. Et c'est vrai qu'il manquait un maillon, puisque pendant la période de stage, il revenait à une situation basique, comme s'il n'avait pas cette expérience. Donc, il n'y a pas de difficulté à adopter ce texte. Mais il me semble que le problème est à replacer dans son contexte. Et le contexte, c'est simplement la pénurie de personnel médical que nous avons et qui a conduit, il y a quelques années, à déroger au principe que dans la fonction publique, on démarre au plus bas indice, quelle que soit son expérience privée ou publique. Et donc, en valorisant l'expérience dans la rémunération, on pouvait ainsi espérer rendre plus attractifs les postes de médecins et d'infirmiers. Et donc, derrière tout ça, il y a un problème qui aujourd'hui n'est pas résolu, ou pas complètement en tous les cas, enfin loin même d'être résolu, qui est celui de résorber cette pénurie. Alors, monsieur le ministre en charge de la Santé, je repose une question qui a été évoquée il y a déjà plusieurs mois à plusieurs reprises. Avez-vous aujourd'hui un état à jour, un suivi du nombre de Polynésiens qui, ayant réussi la première année d'études médicales à l'université, sont rentrés en deuxième année? Et les premiers, ça fait une dizaine d'années, puisqu'à l'époque, j'avais fait signer la convention avec Bordeaux. Ils sont donc pas loin d'avoir fini leurs études. Et il y a aussi des kinés, des ergothérapeutes, enfin tous les métiers qui nous manquent. Et il me semble que c'est un outil indispensable pour savoir où on en est. Je rappelle également que ces jeunes bénéficient de bourses majorées jusqu'à 150 000 francs par mois pour les médecins, tant qu'ils ne sont pas en internat, puisque à partir de cette date, ce niveau, ils touchent une rémunération. Donc, pouvez-vous, sans nous mettre les noms, bien entendu, nous donner ou nous dire que vous avez cet outil de suivi, que vous savez dans combien de temps tel ou tel jeune va arriver sur le marché du travail polynésien pour justement préparer leur retour, faire en sorte que les postes vacants le restent jusqu'à ce qu'ils arrivent pour leur donner toutes les chances de s'insérer. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas ce document et ce suivi de 10 années d'efforts qui a été fait. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Là est ma question. Merci. Alors, Maïté, maintenant, on a été pour Amoui, il y a été tout mon prêt. Ore manao te whahoe rovore tu tatatou whatrehau, whatrehau pia tribu, whatrehau te taria, pia oer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Rana, en effet, cette disposition-là permet de, à nos, du moins les PH, qui sont déjà PH en France, qui viennent travailler ici, qui se voient donc leur ancienneté diminuer pendant leur stage pour être PH ici, alors qu'ils sont déjà PH en France. Ils trouvaient ça totalement anormal et c'est pour ça donc qu'on a essayé d'y remédier. Mais en fait, par rapport à la... Parce que vous avez... Il y a eu un concours de PH, il y a eu 35 postes au niveau de l'hôpital qui ont été proposés. Et ça, en fait, ça ne touchait que 3 PH. Parce que s'il faut savoir cette histoire d'ancienneté, ça touche donc les médecins qui sont déjà arrivés au niveau d'assistant de chef de clinique. Donc, qui ont déjà beaucoup d'ancienneté. Pas les jeunes, puisque les jeunes,
ayant leur internat de comté, donc arrivent donc au bout d'une vingtaine d'années à être PH, à être assistant chef de clinique, et c'est ceux-là donc qui demandent à ce que leur ancienneté ne soit pas touchée. Alors, au niveau de la... Combien il y a de PH à l'hôpital? De PH titulaires, il y en a une centaine, plus les 35 qui arrivent, donc il ne reste plus que 27 médecins qui sont peut-être PH en France, mais qui attendent d'être titularisés. Donc, ils sont simplement ANT. Ça, c'est en ce qui concerne l'hôpital. En ce qui concerne notre direction de la santé, qui est moins pourvue, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on renforce nos hôpitaux périphériques. On a simplement une trentaine de médecins dans une quinzaine de PH. Donc, s'il faudrait arriver à terme, c'est que en plus que ces PH-là puissent travailler aussi bien à l'hôpital, dans notre grand hôpital, que dans les hôpitaux périphériques, pour pouvoir équilibrer en ce qui concerne l'exercice des spécialités dans nos hôpitaux. C'est vrai que les dérogations pour les médecins, comme il n'y a pas beaucoup de médecins, une des dérogations que le pays a proposées, c'est de nous mener non pas jusqu'à 65 ans, mais au moins jusqu'à 68 ans, faute de médecins. C'est vrai qu'au dernier... En dernière proposition de titularisation, il y a un poste qui n'a pas été titularisé, c'est-à-dire de médecin chirurgien maxillofacial, parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Mais au niveau des hôpitaux périphériques, on n'a pas pu trouver des candidats en pédiatrie. Et il nous manque vraiment cruellement des médecins. Concernant maintenant nos étudiants, c'est vrai que nos étudiants, ils sont à peu près maintenant plus de, je crois que c'est 100, d'étudiants qui ont passé leur examen ici et qui sont en France. Alors, j'en connais un qui est revenu, c'est le fils Richaud, il est en cardio. Alors, il y en a une qui est finie, qui a fini, mais qui a préféré rester en France, elle est anesthésiste et animateur. Et il y a un service chez nous qui suit le dossier, il y a quelqu'un qui est attitré, enfin, qui se proposait de suivre tous nos étudiants. C'est vrai qu'on espère qu'on a plus de 100 étudiants qui ont passé le concours, ne serait-ce que la moitié qui revient ici, ce serait une bonne chose pour nous. Voilà. Oui, simplement pour compléter, bon, vous l'avez bien compris, il s'agissait d'harmoniser les dispositions qui ont été prises sur les ANT, c'est-à-dire les CDD. Là, on est dans la qualité de fonctionnaire stagiaire. À minima, il fallait aligner les choses. Mais ce que vient dire le ministre de la Santé est important sur le nombre d'étudiants dans le cadre des études de médecine. Alors, comment procéder? Vous savez que le recrutement en qualité de fonctionnaire des médecins se fait donc sur titre, c'est-à-dire entretien. À partir de là, effectivement, la grande préoccupation du ministre de la Santé, c'est de prévoir les postes pour ceux qui vont finir leurs études. Il y a une disposition qui nous permet donc de recruter, soit un article 33.2, comme on dit, c'est une période de 3-4 ans, voire rajouter 2 ans, mais toujours une situation temporaire. Parce que si on ouvrait tout de suite les postes à concours, les gens deviendraient titulaires. Donc le poste est définitivement pris. Donc on essaye et effectivement d'harmoniser tout ça pour prévoir la suite de ceux qui vont revenir. Ce n'est pas des choses aisées. En ce qui concerne la situation, nombre de médecins, le suivi, vous savez que l'hôpital a sa propre structure. Mais les choses avancent. On a installé un CDE à l'hôpital maintenant. Ah. Donc on pourra vérifier de manière plus précise la situation et des dépenses des contrats, notamment les contrats de travail. Jusqu'à présent, ça a beaucoup manqué. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est fait. Alors, c'est la question posée. Comment se fait-il qu'à un moment donné, ils n'étaient pas payés, les gens ne sont pas payés? Lorsqu'on a le contrôle du CDE avec les règles applicables, il faut que les dossiers soient bien établis. Sinon, ben, ça ne passe pas le contrôle financier et l'engagement de dépenses n'est pas autorisé. Et c'est en cours de résorption et ça va très vite. Je sais que la semaine dernière, vous avez certainement entendu parler d'un grincement de dents au niveau des personnels de l'hôpital parce que le CDE a pris ses fonctions, rappelons les règles de la dépense. Mais je rassure, le personnel a été payé, en temps et en heure. Et c'est là où on découvre qu'on est capable de bousculer une administration en interne pour qu'ils fournissent les dossiers en temps et en heure, pour que les choses se fassent.
Donc c'est une bonne chose, il y a un contrôle qui se fait de plus en plus. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, sur la situation des médecins, les conditions des contrats de travail. Les jours se résorbent à vitesse grand V. Pardon, Marie-Olivier, excuse-moi. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à ce projet de délibération, je crois qu'il y a une confusion qui est entretenue ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut nous donner un exemple type d'un médecin qui viendrait de France et qui ferait son stage? Combien il gagne et quand il fait son stage, combien il gagne après la titularisation? C'est comme ça qu'on pourrait quand même comprendre un peu le système. Et deuxièmement, si ça ne touche que trois praticiens hospitaliers, comment ça se fait que quand on a une centaine d'employés au CHPF qui est toujours, et je suis désolée de répéter, en CDD à répétition, ceux-là, il faut toujours qu'ils attendent. Parce qu'il n'y a que trois praticiens hospitaliers, tout de suite, on met en place un projet de délibération pour justement conforter leur salaire. Alors, j'aimerais bien qu'on me réponde aux questions. Je crois qu'il ne faut pas confondre les dispositions. La délibération qui est prise ici, c'est un acte précis qui permet de lever les conditions d'un blocage de recrutement à ce niveau-là. Je rappelle que pour les ANT, on avait la même situation. Donc, ils étaient tous bloqués entre le 9e et 10e échelon. Or, il se trouve qu'il faut rédiger de la même manière lorsqu'ils sont stagiaires. En ce qui concerne les contrats CDD à l'hôpital, c'est bien cela. L'obligation, c'est bien de passer par la voie du concours, un concours d'intégration. Ici, ils ont la qualité de stagiaire, c'est-à-dire qu'ils ont passé le concours. Je dis, c'est un concours sur titre. C'est deux choses distinctes. Maintenant, pourquoi a-t-on un volume de CDD si important? Je viens de le dire, il n'y avait aucun contrôle. Depuis l'instauration du CDE, on peut suivre et exiger de la direction de l'hôpital ces postes doivent être mis au concours. On avait cette fâcheuse habitude de ne les pas mettre en concours. Donc on faisait du CDD sur CDD. Il faut rappeler également qu'une décision primordiale a été prise à l'époque par un gouvernement. Tous les contrats de l'hôpital étaient soumis à vérification de la direction du personnel. Tout devait être vérifié avant d'être engagé. On n'avait pas le droit d'engager la personne. Regardez la régularité. Il se trouve qu'un président a pris la décision de retirer la compétence du personnel et de confier totalement à l'hôpital. Conclusion, on a découvert des contrats qui marchaient sur deux postes. Et là, c'est parti en live. Maintenant, il faut ramener les choses. On a laissé l'hôpital, au titre de son statut d'autonomie, faire ce qu'il souhaite. Et ensuite, canique, il demande au pays, j'ai plus les moyens. Ben forcément, rappelez-vous les procès qu'on a perdus. On a toujours ce stock-là. On a mis en place des concours d'intégration pour les secrétaires médicales. Parce qu'on avait découvert qu'il y avait des gens qui étaient recrutés comme ça, sans base juridique costaud. Alors, il va falloir créer les postes. Il fallait obliger de mettre les postes en concours. Quand un poste est en concours, au moins, on a une porte de sortie. C'est toute cette difficulté qu'on essaie de résoudre. Mais je peux dire aujourd'hui que les choses vont beaucoup plus vite avec la présence du CDE. Donc je sais qu'il y a encore un volume de CDD. Mais qu'allons-nous proposer? Soit un concours d'intégration. Il faudrait que les agents, au moins à minima, le réussissent. Parce qu'à la question posée dans le dernier concours d'intégration PSG, on me sort Paris Saint-Germain. Non, on travaille à l'hôpital, c'est quand même, on a notre protection sociale généralisée. Et même la santé était horrifiée. Parce qu'on parle de ce que c'est que le SAMU, alors je ne vous dis pas les réponses. Et pourtant, ce sont des gens qui ont 2 ans d'activité, minimum, dans le domaine médical. À un moment, on peut être désespéré. Et pourtant, ils ont leur utilité, mais il faut les amener au niveau. J'ai demandé à ce qu'on mette des formations pour les accompagner à ce passage-là. Mais on va vers la résorption. Les choses s'accélèrent. Voilà, donc je sais qu'il y a encore un volume, et de temps en temps ils viennent nous voir, et bien on va trouver ensemble la solution.
Article 1er, le dernier alinéa de l'article 11 de la délibération numéro 96-136 APF du 21 novembre 1986 est abrogé. Tato ora trefarira, à l'unanimité. Marurumaite, irvanum repiti. Article 2, le dernier alinéa de l'article 9 de la délibération numéro 97-198 APF du 24 octobre 1997 susvisé est abrogé. Marurumaite, oeamaitira, oamana, irvanum raturu. Article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. E fa te meri i tatatou proprou rano te hare papeno, wei te au e te teare anu toraunu e te awhahura hitu, me te pehamata mei tatou i te numara maha, nen he tatou i hariro i te ria whaito, e hato o tō manau me te peveisho tatou no anan hei a paipai. Hora iwa i te paipai. Hora iwa, hora no tatou. Iha no Honolulu ore rata te atu pae, no one. Aria, maruru mai te abuisu. Hora iwa. Te fate mere o ita tatu rurai te teme, anan hei pepe tatu e farire vahu e. La séance est suspendue. Elle reprendra demain matin à 9h. Maruru.